te laisse te présenter. Oui. Allez, bienvenue à toutes et à tous. On est au stade Max Rouzier pour cette deuxième journée. Élite 1 entre Villeneuve et on est avec et face à Lézignan, Lézignan Corbière. C'est la deuxième journée de l'Élite 1. Je suis accompagné bien sûr par Thierry. Thierry Lacoste qui est aux caméras et puis également Nicolas Dumoulin qui est en réalisation. On espère que tout se passe bien également avec vous. On aurait voulu avoir les supporters bien sûr ici dans le stade Max Rouzier. Malheureusement, ce n'est pas possible par rapport au protocole sanitaire, mais on va essayer de vous faire vivre le match le mieux possible depuis notre cabine ici à Villeneuve-sur-Lot. Qui m'accompagne pour parler de rugby à 13, c'est Sébastien Goffre. Salut Sébastien. Bonjour. Bon Sébastien, gros match, on va tout d'abord parler de toi, de te présenter quand même un petit peu puisque tu fais partie du staff de Villeneuve-13, tu t'occupes de tout ce qui est statistique, vidéo. C'est ça. Et puis également bien sûr, ancien joueur, on appelle ça la génération dorée de Villeneuve-13 avec Julien Rinaldi, David Despin. Julien Rinaldi et Michael Vansnick. Ah voilà, avec Michael Vansnick. Grand connaisseur du 13, on va parler des deux équipes, bien sûr, Lézignan et Villeneuve. C'est la première rencontre pour eux. Deuxième journée, mais Avignon n'a pas pu recevoir Lézignan pour le premier match. Et c'est Palo qui ne pouvait pas se déplacer à Max Rouzier. Donc même si c'est la deuxième journée, on est sur la première. On est sur la première. Première rencontre officielle. Exactement, exactement. Dans quelques minutes, on va donner les compositions des deux équipes pour cette rencontre d'Élite 1. On va essayer de voir si tout fonctionne. Si vous êtes derrière votre écran d'ordinateur, n'hésitez pas à nous dire, à nous commenter, savoir si ça passe, si ça passe pas. Et si vous nous entendez bien, on va commencer par bien sûr la composition de l'équipe de Lézignan qui vient à Max Rouzier bien sûr pour faire un très très bon match et essayer de rapporter tous les points. On est avec Lézignan, avec le numéro 1 c'est Damien Cardas, le numéro 20 l'ailier Dorian Gouzi, le numéro 18 le centre Tilbrillant. Arrière demi-de-mêlée, numéro 4, Valentin Ferrel. Arrière, Pierre Cosinus. Demi-d'ouverture, Rémi Marginet. Demi-de-mêlée, Thomas Lacan, numéro 19. Troisième ligne, le numéro 25, Timothée Grandjean. Talonneur et capitaine, Johan Gouache. C'est le numéro 21. Le pilier, numéro 9, Thibaut Margalet. Le numéro 23, Alexandre Coste. C'est une seconde ligne. Le pilier junior, Étienne Guéraud, numéro 12. La troisième ligne, Anthony Hors, numéro 26. Maxime Benos qui est demi d'ouverture, demi de mêlée, numéro 2. Troisième ligne, Thomas Malfaz, numéro 17. Centre, demi d'ouverture, Lilian Albert, numéro 73. Ça va être pratique. Et on finit par le numéro 15, Arnaud Hack, l'entraîneur bien connu du milieu trésiste qui est revenu du côté de Lézignan. C'est Aurélien Colony. Avant de passer au Villeneuvois, Sébastien, un petit point de vue sur la composition de Lézignan. C'est une équipe jeune, on va dire, avec beaucoup de Français. Ils ont pas, je ne pense pas qu'ils aient les étrangers qui soient arrivés. Exactement, je pense qu'il y en a un qui est arrivé à Lézignan, c'est le nouveau pilier, Wesley Lolo de 26 ans, qui arrive d'Australie, mais pas sur la feuille de match aujourd'hui. Donc ça va être une occasion pour les jeunes d'essayer de gagner leur place pour cette saison, car quand même c'est une très très grosse écurie, Lézignan, qui vient, qu'on retrouvera dans la partie haute du classement. Ouais, toujours une équipe qui joue le haut de tableau, hein, toutes les saisons en élite. Ah, depuis quelques années quand même, ils sont abonnés au moins minimum demi-finale, voire finale, toujours là quoi. Alors ce qui est étonnant, c'est que Anthony Maria n'est pas présent non plus sur la feuille de match. Et sûrement c'est une question de son contrat avec les Dragons catalans.
Ah oui, c'est possible, qui n'est pas encore d'accord. terminé. Ils n'avaient pas prévu que la saison se prolonge comme ça. Et bon, c'est des choses qui arrivent, hein. On s'adapte cette année avec ce fameux virus. Bien sûr, alors c'est vrai que c'est toujours spécial d'avoir une équipe 100% française aujourd'hui de Lézignan, parce qu'il n'y a pas les étrangers, et là ils vont jouer avec également de jeunes joueurs, hein. On l'a dit, hein, on a également des juniors et des jeunes joueurs qui montent, hein, comme Étienne Guéraud, hein, qui est dans le groupe. C'est bien ou c'est pas bien? Parce qu'on est en début de saison, on s'attend à avoir l'effectif complet. Est-ce que pour toi, Sébastien, c'est une bonne chose? Moi, je l'ai vécu personnellement quand je suis arrivé en première. On a eu cette situation où on n'avait pas beaucoup d'étrangers en début de saison. Ça a été une occasion pour nous, les jeunes, de se révéler et ça nous a permis après de rester et d'être là, quoi, enfin, de lancer la concurrence. Alors, on va en parler des Villeneuvois. On va parler de la composition de Villeneuve qui est également avec des jeunes. Notamment, on va en parler de Joe Van Berg, hein, qui avait fait deux matchs amicaux très intéressants face à Saint-Gaudens et au Toulouse Olympique. Donne-nous la composition, s'il te plaît, Sébastien, pour les Villeneuvois. À l'arrière, Bachouk. À l'aile, Wamberg, justement, le jeune dont tu me parlais. Ouais. Au centre, on a Dubertrand et Brioux. À l'autre aile, Nicolas. Numéro 6, Krihuash. Numéro 7, Lasven. Capitaine, hein, capitaine aujourd'hui. Capitaine. Pilier, Nicolic. Talonneur, Ousti. L'autre pilier, Tabou. Seconde ligne, on a Mika et Verniolle. Troisième ligne, Petit-Bourne. Remplaçant, Gauthier, Masselot, Zava, Fakir. Bon, équipe qui tient plus que la route pour un début de championnat d'élite, hein, Et là, Sébastien. elle est presque complète, hein. On a un autre étranger, James, qui est arrivé hier soir. Exactement. Et Qu'on aura l'occasion, hein, on va essayer de le faire venir à la mi-temps pour qu'il vienne nous dire quelques mots sur YouTube, hein, pendant cette transmission de cette rencontre. Il vient nous dire quelques mots en anglais parce que j'ai la chance d'avoir Sébastien avec moi, Sébastien Gauffre, qui est bilingue Oui, français-anglais. presque. Voilà, même presque plus anglais que français. Oui. Non, c'est une belle équipe, on va voir parce qu'on a quand même de belles attentes avec deux joueurs qu'on n'a pas eu l'occasion de voir encore, c'est Mika Constantine Oui. et Mourad Krihouache. Ah, c'est deux gros joueurs qui auraient quand même apporté plus à cette équipe, quoi. Si on parle en général, toi, qu'est-ce que tu attends de ce match? On l'a dit en début de retransmission, comment Lézignan n'a pas joué son premier match, repoussé puisque Avignon ne pouvait pas recevoir. Palot n'est pas venu à Villeneuve pour la première rencontre, la première journée. Est-ce qu'il va y avoir du rodage? Ou est-ce qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet? Ben nous, on a fait deux matchs amicaux qui correspondent quand même, je trouve, au match un peu de Lézignan aujourd'hui, où on avait aligné des équipes, une équipe 100% française à chaque fois. Ça nous avait permis de tester des jeunes, et d'ailleurs, le petit Van Berg a prouvé que ce jour-là, eh bien, on pouvait compter sur lui. Du coup, aujourd'hui, il est là. Et derrière, aujourd'hui, on risque d'avoir forcément un rodage qui va se mettre en place avec les étrangers qui vont s'adapter, rentrer, intégrer cet effectif. Oui, parce qu'on parlait de matchs amicaux face à Saint-Gaudens à Toulouse, mais on le sait très bien, et toi tu le sais plus que moi, Sébastien, c'est que en rugby, que ce soit à 13 ou à 15, les matchs amicaux, c'est compliqué quand même. Il n'y a pas de matchs amicaux. On se donne. Non, mais de toute façon, là, à ce niveau-là, on se donne. Il y a la place à gagner, il y a tout, quoi. On ne peut pas se permettre de dire, de faire un petit jeu et d'être là pour s'amuser, quoi. Alors, il y a des joueurs d'expérience, c'est sûr, mais on va également saluer à côté de nous, qui est avec nous, c'est Raphaël Ousti de 13 Mondial qui est avec nous. Il n'a pas de micro, mais il nous a donné quelques stats et on lui remercie également pour ça. Il est avec nous ici à Villeneuve. D'ailleurs, on lui souhaite un très très bon anniversaire, puisque on a deux anniversaires ici aujourd'hui à Villeneuve-13. C'est William Ousti, son frère jumeau, et également le vieux, hein, on peut le dire comme ça maintenant, Ouais. Laurent Carrasco. Le dinosaure presque. On en profite parce qu'il n'est pas à Ouais. côté de nous, Laurent Non, on Carrasco. Donc, rapproche, je on souhaite un très très bon anniversaire à Laurent Carrasco et à William Mousti. Moyenne d'âge des deux équipes au niveau de Villeneuve, c'est 25 ans. 20, oui, 25 27. ans. 20, 27. 27 ans pour Villeneuve, excusez-moi, et 25 ans pour Lézignan, c'est quand même très jeune. C'est jeune. De toute façon, c'est ça maintenant. Nous, enfin, je pense que notre équipe, 27 ans, c'est quand même un travail depuis quelques années. La fameuse ruche verte qui ressort, accompagnée aujourd'hui par quelques étrangers qui tirent tout ça vers le haut, quoi. Beaucoup de joueurs qui reviennent, hein, qui sont revenus cette année à Villeneuve. Bah, je me suis amusé hier à regarder sur les 17 joueurs, 12 issus du Lot-et-Garonne, on va dire, enfin du Grand Villeneuvois.
Ouais, ça fait un peu plus que 66%, c'est pas mal, on peut dire ça. Et puis ce qui est vraiment intéressant hein, au niveau de Villeneuve et au niveau du staff également, puisque Fabien Devecchi est entraîneur, il a remplacé Julien Rinaldi, qui était, comme tu l'as dit, de la génération dorée avec toi et Michael Van Snick, David Despin, qui est directeur sportif, toi qui es analyste vidéo, Laurent Carrasco qui entraîne les U19, Constant Villegas qui entraîne les U17. Donc il y a tout. Alors, il y a toute une famille, Ouais, c'est ça. voilà, on a toujours l'habitude de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a une recherche de la part de la coprésidence, hein, de Patrick Maury, Jean-Pierre Sagnette, de garder les anciens pour faire passer un message. Ouais, c'est exactement ça. Ça va faire plaisir. On va essayer d'être un peu le moindre du monde, mais le Barcelone Ça, c'est un voilà, petit c'est un petit clin d'œil voilà, pour toi. exactement, exactement. Oui, non, mais c'est clair que c'est intéressant de pouvoir faire monter des jeunes avec des étrangers et avec des Villeneuvois qui reviennent après une grosse expérience à l'extérieur, que ce soit en Super League, en Championship et dans des clubs beaucoup plus structurés, on va dire, entre guillemets. Ils sont tous partis vivre leur vie, enfin leurs aventures rugbystiques, et ils reviennent apporter toute leur expérience aujourd'hui justement à ces fameux jeunes dont Allez, on on aura va l'occasion laisser. de parler tout à l'heure. Sébastien, on va laisser le speaker du stade, Jean-Philippe, donner les compositions des équipes et nous on revient dans quelques secondes. Pour cette rencontre, hein, cette deuxième journée, juste avant le début de cette rencontre, on va remercier. On a des remerciements à faire, Sébastien. On a un premier remerciement, c'est Patrice et Philippe Rongier de Massou Électronique, un des partenaires du club, qui nous a permis de pouvoir vous diffuser cette rencontre dans les meilleures conditions possibles. Ça a été un petit peu rapide. On a fait dans l'urgence, mais on espère que ça va vous plaire et qu'on va passer un très très bon moment ensemble. Et puis Sébastien aussi, tu voulais faire un petit coucou. Ouais, nous, on va remercier aussi la mairie de Villeneuve-sur-Lot qui a su quand même nous mettre dans toutes les bonnes conditions, et spécialement le service des sports qui a merveilleusement bien travaillé aujourd'hui. Merci à vous. Eh bien, on est parti. 80 minutes, deuxième journée d'Elitune. Engagement pour l'équipe de Lézignan face à Villeneuve. On espère voir du beau rugby malgré le temps. Hein, le temps qui est un petit peu mitigé. Il a plu une grande partie du début d'après-midi. Le vent s'est calmé par contre. Donc je pense qu'on peut voir un beau jeu. Allez, c'est parti avec Vladika pour le premier tenu pour les Villeneuvois. Vladika qui nous fait une belle charge. Aujourd'hui, ce qui va être important quand même, vu les conditions, ça va être la conservation du ballon. L'équipe qui arrivera quand même à le plus compléter ses chaînes, c'est-à-dire finir le cinquième tenu pour finir un bon jeu au pied, devrait prendre une belle option sur la victoire. Allez, on est parti sur le troisième tenu hein, déjà avec William Ousty au poste de talonneur. Pour les Villeneuvois, on sait que les premières minutes sont. On se regarde un petit peu, hein, on voit un petit peu les placements de chacun. Ouais, sur la première chaîne, on a pratiquement gagné 60 mètres. C'est quand même relativement intéressant. Finir par un bon jeu au pied. Allez, pour remettre. Voilà, Voilà, parfait. avec une petite glissade, le premier tenu pour les Lézignanais. On rappelle également, hein, on n'oublie pas les arbitres, hein, l'arbitre central Fabien Nicot,
de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, accompagné par José Pereira et Benjamin Alverne de la Ligue Occitanie. La quatrième arbitre, c'est Lucie Peyré, je crois qu'on dit. Allez, c'est parti. Là, on est bien dans l'affrontement, dans le bras de fer, comme on dit, qui a bien commencé. Allez, coup de pied. Qui va emmener le ballon, qui ne sort pas d'ailleurs, c'est Joe Van Berg qui récupère le ballon du côté Villeneuvois et qui repart seul. Voilà, allez, le premier tenu. Joe Van Berg, petite parenthèse, qui fait partie quand même un peu de ce que essaye le président de mettre en place, un petit rapprochement avec le club de Saint-Ivrat de rugby à 15. Oui, bien sûr. On se rapproche et de toute façon, on est là pour s'entendre. Exactement, on sait qu'au niveau des jeunes également, au niveau du SAV, et puis on salue l'école de rugby de Villeneuve, accompagnée du Mas d'Agenais et de Tonnas. On a fait le deuxième match amical des Léopards du Toulouse contre le Toulouse Olympique au Mas. Et c'est vrai que c'était une belle fête. Et voilà, c'est le futur des Verts et Blancs. Et on est très très contents de pouvoir vous proposer cette rencontre et de voir les jeunes pousses qui viennent au niveau de l'élite avec Joe Van Berg sur le terrain en titulaire aujourd'hui pour la deuxième journée d'élite 1. Attention, voilà, Farid Nicolas qui bloque sur les Lézignanais. Attention, voilà, on ne ressort plus pour le moment. Oui, c'est intéressant là, si on peut faire une bonne pression et les garder dans leur camp, ça peut aboutir. Exactement, quelque chose, attention, voilà. Bien pris également. Alors, j'espère que vous nous suivez. Vous êtes déjà pratiquement 500 à nous suivre sur la page Facebook, YouTube des Léopards. Attention, mauvaise sortie de tenue. Première faute. Une faute qui va permettre, c'est Johan Gouache qui a perdu le ballon. Une mêlée en faveur de Villeneuve. On va voir le premier ballon d'attaque, voir exactement ce qu'on va pouvoir en tirer. Vladika, hop, il fait un point de fixation, dommage. Explique-nous, là, pour ceux un petit peu qui sont béotiens au niveau du rugby à 13, qu'est-ce qui s'est passé là avec Vladika ? Vladika, il a pris le ballon, il y a eu le contact avec le joueur de Lézignan qui lui a fait perdre cette balle et du coup, on repartira sur une mêlée pour Lézignan. Parce qu'il y a des spécificités en 13 quelquefois entre l'arrachage du ballon et le fait de pouvoir récupérer le ballon. Ouais, c'est là où des fois c'est un peu limite et on peut un peu râler après l'arbitre, mais on peut se faire plaisir, on peut y aller. C'est des situations où on peut se dire, ah bah attends, mais qu'est-ce qu'il fait quoi ? Il n'y avait pas photo, ce n'était pas un arrachage, c'était vraiment de récupérer le ballon. Allez, les Lézignanais qui vont pouvoir ressortir de leur demi-terrain, pas encore, parce que les Villeneuvois en ce début de rencontre sont forts en défense pour le moment. Pour l'instant, nous n'avons pas de plaquage raté, nous ne sommes pas trop mal en défense, on va dire. Bonne organisation. Attention, Marginé qui a une grosse expérience quand même, un ancien joueur de Super League qu'il faut quand même surveiller comme du lait sur le feu. Ouais, qui a joué en Super League avec les Dragons et puis une expérience également d'Angleterre pour lui. Ouais, Wakefield. Cinquième tenue. Allez, le coup de pied, la chandelle, et c'est là, avec le temps qu'il fait également, de faire attention, voilà. Il s'est bien tourné. Mais c'est bien tourné, voilà, exactement, très très bien. Joe, bien sûr, je pense que également l'intention de Lézignan, ce début de rencontre, c'est de jouer peut-être sur le jeune, sur le rookie, Joe Van Berg. Il doit quand même le mettre un petit peu en difficulté. Il n'y a pas de public début aujourd'hui, donc c'est un peu plus avantageux pour lui, mais il va quand même, il doit avoir une certaine petite pression quand même. Bien sûr. Mais bon, on lui souhaite que ça se passe bien. Oui. Non, mais ça va bien se passer. On l'a vu, les deux premiers matchs, il n'y a pas de souci. Allez, on est 5 minutes de jeu pour le moment, 0-0 entre Villeneuve et Lézignan pour cette deuxième journée d'élite 1. Des attaques des deux côtés pour le moment. Et c'est vrai que ce ballon de Mourad Krihouache récupérant en défense et on essaye de repartir. Pas d'ouverture pour le moment dans les deux défenses. Deux équipes bien organisées. De toute façon, ça va venir
Encore une dizaine de minutes, après il va commencer à y avoir de la fatigue et ça risque de s'ouvrir un peu. On continue dans le petit côté à essayer de fixer cette équipe de Villeneuve pour les Aignans. Un jeu simple pour le moment à une passe. Une, deux passes en avance. Hein? Faute. Alors, c'était un cinquième tenu. Là, on ne repartira pas sur une mêlée. C'est la petite spécificité du rugby à 13. Quand sur une faute au cinquième tenu, on repart sur une tenue de transition. Vladika qui doit sûrement saigner. Il est en train de se faire soigner. Un petit choc au niveau du visage pour Vladika. Hop, ça c'était un peu limite. Limite de pourquoi Sébastien? Alors, de décoller les pieds, c'est toujours un danger parce D'accord. qu'on n'a pas le droit d'éviter de partir sur une chandelle, enfin sur un retour, enfin cache cathédrale, on a voilà, tout ça. Voilà, exactement. C'est pour la protection des joueurs. Quoi. Exactement. Allez, Eddie Pettibourne qui essaye de rentrer dans cette défense qui est pour le moment bien en place, hein, du côté des visiteurs, du côté des Lézignanais. Lucas Vergnol également, hein, qui est nouveau venu, mais retour également, hein, au club. Lucas Vergnol, moi j'ai joué sans papa, j'ai envoyé le bonjour d'ailleurs. Alors c'est vrai que Sébastien, on a fait le tour un petit peu de l'effectif, et même de certains de l'effectif de Lézignan, hein, puisque il a joué avec certains papas, contre certains papas, donc c'est vrai que voilà. Il y a beaucoup de fratries, hein, et de papa, de fils, de grand-père, grands-parents qui ont joué au 13 et qui... C'est une passion qui se passe de génération en génération. Exactement, exactement. Allez, on repart du côté de Lézignan. On notera quand même que dans ces 10 premières minutes de jeu, je donnerai quand même un petit avantage aux Villeneuvois dans la tenue du ballon, peut-être l'occupation, ouais, l'occupation du terrain. Du terrain et surtout sur compléter les chaînes. Joanne Gouache qui lance en défense toujours du côté de Joe Van Berg. Et attention. Il a le temps, il prend le temps, hein, il est serein. Hein. Ah, oui, oui. Serein et confiant. Ouais. Parce que celle-là, il fallait y aller, hein, quand même, pour Joe. Bienvenue, bienvenue à l'étude. Ah oui, ouf, même la queue de cheval est partie. Allez, on continue, on ressort. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant, hein. Allez, Hamza Bachou, qu'on n'a pas beaucoup vu, hein, pour le moment, ce début de rencontre, qui est revenu sur le centre. Là, c'est le premier quart d'heure. Là, il y a du monde, hein. Là, il y a du monde au milieu. Voilà, allez. Priorité aux avant. Hein. Exactement. Au gros, voilà. On va dire. Allez, on est parti. Voilà, on retourne. Baptiste Dubertrand qui rentre. Également, on essaye de se jauger encore, hein, même à 10 minutes du début de la rencontre. C'est encore assez important. Thomas Lasven qui essaye d'aérer un petit peu le jeu et voir un petit peu si renvoyer les Lézignanais dans leur 22 et essayer de les bloquer là-bas. Attention, attention. Attention, Damien Cardas qui a essayé de... Bien pris par Nicolas. C'est pas non plus, attention que ça ne ressorte pas Damien Cardas, hein, qui est joueur d'expérience, hein, 28 ans, qui a été formé à Lézignan, et puis qui est revenu, qui est international, avec une cape en 2013. Ah. Donc voilà, attention, une faute des Villeneuvois. Sébastien. On a retenu un peu sur le tenu Baptiste Dubertrand. Alors ça aussi, hein, au niveau du rugby à 13, c'est très subjectif, le temps de tenue. Tout dépend un petit peu de l'arbitre. Réglementairement, c'est quoi exactement? C'est combien de temps? Bon, l'entraînement, on apprend. Normalement, t'as pas le droit, mais on apprend 1, 2, 3, tu comptes gentiment et d'accord. Tu lâches. Quoi. Donc à peu près 3 secondes. Quoi. Voilà. 3, hein 4 secondes. Voilà. Donc, d'accord. Tout va dépendre quand même de l'impact qui va remporter l'impact. Quoi. Ouais, bien sûr.
celui qui le remporte aura plus la possibilité de contrôler son adversaire après. Allez, on part sur une attaque de Lézignan après cette faute villeneuvoise. Valentin Ferret qui s'est fait recevoir par Thomas Lasven. On va repartir avec Johan Gouache qui va récupérer du tenu. Le talonneur hein, de Lézignan qui a quand même une sacrée expérience. Hein. Fils de président, bien sûr, hein, des Dragons catalans. Et, avec des matchs en Super League dans la saison 2014-2015. Champion de France avec Saint-Estève en 2019. Et puis, vainqueur de la Lord Derby, la Coupe de France. Également avec un Saint-Estève, double vainqueur 2016 et 2018. Donc un joueur vraiment d'expérience. Tout petit, hein. C'est un tout petit joueur, 1m64. Petit par la taille, mais grand par le talent. Eh oui, exactement. Hein, c'est tout petit joueur, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs dans beaucoup de sports qui sont petits, mais... Un peu comme toi, des petits avec des grandes qualités. Mais je pense qu'avec beaucoup plus de talent, Johan, que moi, ça c'est sûr. Ça c'est clair, merci Sébastien pour... attention, Thomas Lasven, qui part... Aïe, voilà, ouais. Yeah. Alors, il y a une demande du côté Villeneuve, je suppose, pour un hors-jeu ou... Non. Attention, non. Parce que ça va repartir. Et là, c'est là, comme tu le disais, Sébastien, tout à l'heure, le quart d'heure va être pas loin d'être dépassé. On est à la 12e minute. Les espaces vont commencer à se faire. C'est ça va commencer. Et attention, une faute du côté Villeneuve. Plaquage, il a baissé la tête. Il a baissé la tête, donc le plaquage est considéré ou par monsieur l'arbitre, par Fabien Nico. Bonne traversée hein, de Thomas Lasven. Hein. Bel engagement. Côté gauche de la défense. C'était alors après voilà la passe pour Joe Van Berg hein, qui venait en soutien le long de la touche. C'est là où justement c'est un petit secteur où il pourrait progresser Thomas. C'est quand il franchit dans les décisions des fois se dire je garde plutôt que d'essayer vraiment de pousser l'attaque. Ouais. Bon il est jeune hein, ça va venir. Hein. La décision. Pas pour lui. Hein. La décision est toujours dure à prendre quand c'est une fraction de seconde, et c'est beaucoup plus facile, bien sûr, comme tous les commentateurs disent, quand on est assis en hauteur. Pas de problème. Pendant 80 minutes. Allez, on repart. On repart avec les Lézignanais. Et Johan Gouache qui va reprendre encore. Allez, avec encore les gros. Non, mais on est bien organisé en défense. Exactement. Ça se voit qu'on on a bien travaillé. On repart avec Étienne Guéraud, hein, qui est actif, hein, le jeune junior, hein, le junior de... De Lézignan qui est actif sur le terrain également. Hein. Il y a des bons jeunes des deux côtés. Oh, attention, attention à Damien Cardas qui vient soutenir l'attaque. Mais on récupère la balle. Allez, Vladika. Bon plaquage de Tabou intérieur qui avait bien couvert. Et Vladika qui a donné hein, pendant 15 minutes. Hein. Ah, mais là, on va arriver, je te dis, dans ces 20 minutes où il va y avoir de la rotation. Les premières lignes qui vont tourner. Voilà, allez. On n'était pas à 10 mètres, je suppose, où on a gardé le joueur un peu trop longtemps. Sur le tenu, allez, on va essayer de souffler un petit peu du côté Villeneuve. Ça donne également à Mourad Krihouache qui a la balle actuellement pour pouvoir taper en touche et récupérer cette pénalité. Et retourner dans le milieu de terrain les Ignanais. Du Bertrand. Allez, c'est parti. Il va tout seul. Comme un grand. Défier la défense. Allez, Tabou, pareil, voilà. Ouh, popopo, oui. Attention à ce retournement, on en parlait tout à l'heure. Hein. Ce plaquage cathédral qu'il faut éviter dans tous les sports de ballon ovale. Allez, on se rapproche, hein. Là. On va arriver dans les 22 mètres. C'est la zone de vérité. Exactement. Du FCL. Allez, Vladika qui remet une couche pour les Villeneuvois. Ouf, Tabou. Continue à les user au ras. Exactement, attention. Cinquième tenue, intéressant. On est au cinquième tenue. Et là, on est vraiment tout proche. Non, il n'y aura pas. Alors. On repartira sur une tenue transition pour Lézignan. Parce qu'on s'est fait plaquer juste
Donc le tenue de transition, ça, explique-nous un petit peu en quoi ça consiste. S'il y a une différence avec le tenue... Ça évite de faire une tenue de transition, c'est déjà c'est tenue zéro, donc il ne compte pas. Et okay. Après, ça nous évite de faire une mêlée, de perdre du temps. Et on est toujours dans ce sport où on recherche la vitesse. La vitesse. Et la réactivité au niveau des joueurs à ne pas garder. Pour cela que c'est à la différence de rugby à 15, les mêlées ne sont pas jouées. Hein, et les mêlées, c'est un petit temps de repos chez nous. À la différence des cousins du 15, qui n'est pas exactement le même repos. Moi, j'ai joué souvent talonneur rugby à 13, j'aurais pas aimé trop jouer talonneur rugby à 15. Exactement, exactement. Pas le même physique non plus, Sébastien, le talonneur à 15. Hein. Allez, on est reparti. Ils sont encore dans les 22, mais ils vont réussir peut-être à s'en sortir. Les Lézignanais. Essayez de mettre une grosse pression, là. Parce voilà, que, c'est vrai que la pression est donnée par... Est donné par les Villeneuvois pour le moment. Oh, ah, ça chauffe un peu. Oh, ça va se calmer là. Oui. Allez, c'est parti. Attention, faut que ça joue. Faut que ça joue. On veut voir du jeu, messieurs. Et pas ce style de geste pour le moment. Lucas Vergnol qui s'est chauffé un peu. Bon, ben, ça doit être les rancœurs de l'autre de l'année dernière. Limoux et Lézignan, il doit y avoir des petits contentieux, ça. Allez, Hamza Bachouk, derrière, qui repart. Il en a l'habitude de sa farine, Nicolas, qui repart également. Allez. Attention, il va falloir du soutien, par contre, pour les Villeneuvois. Et tu vois, on commence à faire tourner Vladika qui est sorti. Alors, qui est-ce qui est rentré? Samy Maslow qui est rentré du côté Villeneuvois. Pour le moment, pas de changement du côté de Lézignan. On garde les 13 mêmes joueurs. On est reparti sur une attaque, hein, attention. Ouais, avec Eddie Pettiborn. Samy. Samy qui s'est fait recevoir également. Ça par Anthony Horst, tout, ça devient intéressant. Le troisième ligne de Lézignan, hein, c'est un beau bébé également. Allez, cinquième tenue. Voilà. Alors, il renvoie la balle sur la tête de Thomas Lasven. Ouais, donc bon. Là, il y a un petit... ça chauffe un peu. Il est un peu énervé, cinquième tenue. Il sait que... Exactement, qu'il a fait une faute. Voilà. Rémi Marginet, on en parlait tout à l'heure, hein, de Rémi, avec également joueur d'expérience, 31 ans, international, 7 caps hein, en équipe de France quand même, et qui a joué en Angleterre, qui a joué en Super League et au Dragon. Donc, ouais, il n'a pas aimé. Ça a peut-être chambré un petit peu également. Il hein. sait que ça peut être une grosse fois. Enfin, moi, je pense que là, on peut avoir une belle occasion. Là. Exactement. Allez, on va voir si... J'en profite pour faire de cette pause là pour tout à l'heure quand on disait les 12 Villeneuvois, vraiment me féliciter le travail des éducateurs du SAV qui vraiment nous. Je vais de temps en temps les voir le samedi, ils font vraiment du bon boulot avec une grosse école de rugby qui repart et on a quand même de sacrés joueurs qui vont arriver. Dans oui, c'est ça parce que c'est vrai qu'on a, un gros groupe avec maintenant et cette année. Une section féminine également, hein, qui arrive très très vite. Donc c'est vrai qu'on a deux jeunes filles qui sont là. On salue Jérôme Rieuco, Olivier Gervaux, Florent Coissy, Olivier Boyer également. Tous ceux qui font le SAV et qui font tous les entraînements hein, des jeunes. Et bien sûr, tous ces jeunes vont arriver petit à petit. Hein. On en a des bons. Hein. Allez, c'est parti. Pour les Villeneuvois, l'attaque. Thomas Lasven qui a trouvé la touche pour la pénalité. Hein. On va la jouer très vite. Allez. Lucas Vergnol qui rentre dans la défense, hein, qui rafute. Lucas Vergnol qui a vraiment de grosses qualités physiques. Et qui paraît pas comme ça hein, physiquement, mais qui est très très fort et qui a des appuis qui sont quand même... C'est quand même la famille des Vergnol là aussi. Hein. Je exactement. Sais pas si tu connais les trois Vergnol. On en connaît quelques-uns. C'est vrai que physiquement, c'est... Moi, je les connais bien... Pas trop de muscu, mais... Ouh, attention qualité. Ah, moi, non, il y a une petite faute, c'est quoi? Il a considéré un passage à vide. Ah oui, passage à vide, je suis pas sûr de... Bon, tant pis, l'arbitre... Eh oui. Il a toujours raison. Eh oui. Nous, on est aux commentaires. Monsieur Nico, à l'arbitrage. Je lui laisse la place. Hein. Chacun sa place. Allez, on va continuer. On va ressortir, bien sûr, la balle. 18e minute de jeu. Toujours 0-0, ce qui est quand même assez exceptionnel, Sébastien, parce que même pas une pénalité, hein. Rien du tout pour le moment. Non, pas trop de fautes. On respecte. Ouais, les directives correct, des deux entraîneurs, tu penses qu'ils sont, elles sont bien mises en place pour le moment? Ouais, mais ça va arriver, ça va se décanter. De toute façon, là, pour moi, on avait l'occasion de marquer là, ouais. Mais bon,
L'arbitre a décidé autrement, c'est passé autrement et on repart sur autre chose. Il faut qu'on reparte sur une bonne pression défensive et récupérer le ballon assez haut, c'est ça surtout. Sébastien, toi, ton travail dans le staff Villeneuvois, c'est aussi faire en direct ou c'est un débrief au niveau des stats des joueurs? Alors moi, j'en fais un en direct. Là, en même temps que je commente, je fais quelques petits stats que je donnerai à Fabien pour la mi-temps. Et après, surtout, je fais mon petit débrief personnel à Fabien par rapport au match, à mon ressenti, quoi. D'accord. Allez, on est parti. Pour les Lézignanais qui sont revenus dans le camp. Voilà, bon, Joe qui est Van Berg, qui est très bien là, dans ce match. À force de le mettre, là, ils ont voulu le tester. Là, à je force, pense là, que, il ouais, est bien en confiance. Hein. Exactement, exactement. On a le choix entre les deux choses. Hein. Soit on le met et il n'est pas bien, et allez, là, on peut continuer. Voilà, là, intéressant. Il faudrait jouer vite, enchaîner. Allez, ah, voilà. Allez, on va repartir avec 5 tenues. 5 tenues, 20 mètres de plus. Allez, j'espère que vous passez un bon moment. Nous c'est le cas, hein, à commenter cette rencontre, cette deuxième journée d'Elite Une. On remercie bien sûr tous les internautes hein, sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube des Léopards d'Aquitaine. Hein, on est plus de 660. À être là avec des abonnés, donc n'hésitez pas, rejoignez-nous, faites la pub pour la chaîne YouTube des Léopards d'Aquitaine pour pouvoir regarder cette rencontre qu'on espère plein d'essais et plein de pénalités. Pour le moment, c'est pas le cas, on est à 0-0, hein, on a un petit match de rugby bien sympathique, pas trop de fautes quand exactement, même, voilà. ça joue pour le moment. Aïe, 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 attention, voilà, c'est bon. Attention, la balle est ressortie par contre, est-ce qu'on va être sur une faute? Ouais, il considère qu'il y a un en avant. Fabien Nicot, l'arbitre central de cette rencontre, donc une mêlée pour Lézignan. C'est dommage parce qu'on a quelques ballons d'attaque quand même. Tout à l'heure, le passage à vide, là, il y a eu la mauvaise passe... sur la percée de Lasven, là encore un ballon perdu. Bon, ça fait 3 occasions, faut pas trop les laisser quand même partir comme ça. Allez, puis on essaye dessus, hein. On a la chance d'avoir, on vous l'a dit tout à l'heure, Raphaël Oustic avec nous aujourd'hui au stade Max Crozier. Il nous donne un petit résultat actuel. En direct, c'est Saint-Estève 13 Catalan qui mène pour le moment sur son terrain en Catalogne, là-bas. 6-4 face à Toulouse, voilà le score pour le moment, pour une autre rencontre de cette deuxième journée d'Elite 1. Bonne pénalité pour les Villeneuvois. Exactement, je pense que Thomas... Non, je pense qu'on va prendre la touche. Hein. D'accord. Allez, on va prendre la touche ouais. D'accord. Allez, on est confiant. Hein. Pourquoi prendre la touche et pas prendre la pénalité directement? On peut pas la prendre, la pénalité? Si, on peut la tenter, mais de toute façon... On se sent fort, là ouais, dans ce... ouais, voilà. Enfin, moi, c'est d'accord. Le ressenti que j'ai. D'accord. On a 2-3 erreurs, mais on est quand même en position de marquer. On est devant dans la possession de terrain, tout. Il faut concrétiser maintenant. Donc bon choix pour Sébastien de Thomas Lasven. Pour la jouer, là, il ne faut pas faire tomber le ballon et continuer à pilonner un petit peu la défense de Lézignan. Là, il faudrait qu'on arrive à jouer un peu plus vite. Exactement, que les sorties soient un peu plus rapides. Voilà, pour déstabiliser, ouais, exactement. Défense. Allez, ça rentre. Allez, Mourad, oui, oui. Crioche bien et joué. Voilà. Ouais. Félicitations, bravo, premier essai, match. Premier match, Mourad Crioche, sous les couleurs vertes et blanches, et premier essai, bravo Mourad, 23e minute de cette rencontre, 4-0 pour Villeneuve. Sur les 20 premières minutes, c'est quand même c'est mérité qu'on soit un petit peu devant. Je pense que je vais te garder au niveau commentaire et parce que c'est un peu la boule de cristal, hein, c'est un peu Madame Irma. Hein. Tu l'avais dit que c'était une bonne solution pour les Villeneuvois de jouer la touche et de jouer la pénalité de cette façon-là.
par rapport à ce début de match. Oui, enfin, j'ai un petit peu d'expérience, on va dire. C'était le ressenti qui ressortait quand même sur ces 20 premières minutes où on était devant. Après, tu n'es jamais à l'abri de prendre une interception. Bien sûr. Tout, mais toi, ça aurait été ton choix sur le terrain également, à ce moment-là, de prendre de là, moi, la j'ai l'impression que devant, on avançait, qu'on était bien, donc il faut concrétiser, il faut scorer, quoi. Allez, on attend Thomas Lasven, le capitaine villeneuvois, pour cette transformation et pouvoir rajouter 2 points dans l'escarcelle villeneuvoise. Le vent est tombé, hein. Plus de vent du tout. On avait peur un petit peu ce matin, puisque sur Villeneuve et sur Lot-et-Garonne, il y avait pas mal de vent. Ça a bien soufflé cette nuit. Ça a soufflé, hein. Ouais. Y en a qui se sont décoiffés un petit peu, hein, comme David Despa. Hein. David Despa s'est décoiffé un petit peu. Hein. Je l'ai vu ce matin, c'était un peu compliqué. Transformation réussie. Et transformation réussie de Thomas Lasven. Villeneuve 6, Lézignan 0. Allez. Là, critère important aussi pour nous. Quand on marque un essai, la série qui suit. Tu vois, ce qui est très important, c'est de finir la série par un bon, enfin, d'arriver au cinquième et de faire un bon jeu au pied derrière. C'est pour concrétiser. Ça, on appelle ça la deuxième transformation chez nous, tu vois. La deuxième transformation, d'accord. Alors Krioach, hein, l'essai de Mourad Krioach à la 24e et transformation de Thomas Lasven. On en est à 6-0 pour les Villeneuvois et remise en jeu par les Ignants. Bonne réception. Passe. Allez, Samy. Allez, Samy qui rentre. Alors, ça pique dans la réalisation du tenu avec ce temps un peu. Cette pluie et ce ballon glissant, c'est vraiment là où on doit faire attention. Allez, 25e minute. On est bien parce que, comme tu le disais Sébastien tout à l'heure, ce sont des moments compliqués là, hein, en milieu de mi-temps. Ouais, mais là, il y a la fatigue qui rentre. Et justement, quand on est fatigué, on est moins lucide, on a moins cette faculté de communication qui est quand même la base du rugby à 13 en défense, la communication. Voilà, cinquième, si on peut faire un bon jeu au pied, une belle chasse. Voilà. Allez, sur les commentaires, sur nos réseaux sociaux également, et sur n'hésitez pas à envoyer des messages, hein, vous pouvez, il n'y a pas de souci. On est maintenant 700 à regarder ce match, hein, ensemble. Merci beaucoup de faire confiance à nos moyens techniques. On remercie encore Massou Électronique, Philippe Rongier, Patrice, Thierry Lacoste qui est à la caméra. Attention, attention, parce que ouais, ça a percé. Bien bloqué par William Mousti et Mourad Krioach. Mais attention parce que ça repart côté gauche. Normalement, c'est bien réorganisé. On a bien fait l'effort en défense. Par bien Alexandre Coste qui est venu prêter main forte là pour les Ignants. Attention également à Arnaud Hack. Allez, bon, au pied. Mais Farid Nicolas est attentif là, hein, sur le côté. Derrière, on est bien, hein, au niveau Villeneuve, Sébastien. On est bien en place pour l'instant, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a juste eu dans la dernière série, là, ce plaquage manqué qui a fait donner l'occasion à Lézignan d'avancer, mais après on s'est très bien rattrapé. Bonne réorganisation. Hey, Sébastien, on est 27e minute, un essai. Non. On restera. Un essai, 6-0, un essai de Mourad Krioach transformé par Thomas Lasven. 9-6, Lézignan 0 pour le moment. Des Lézignanais qui ont un peu de difficulté là, hein, à venir dans le camp, hein, des verts et blancs. C'est pour ça que compliqué, hein. Ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même... légèrement supérieur dans le défi physique, je pense. Ils ont plus de mal à sortir de leur camp, quoi. Là, une faute intéressante. Faut jouer ce ballon là. Ah.
Allez, on va les fixer sur le côté pour voir un peu. Ah. Allez, un en avant. De Mourad Krywash, qui est actif, hein, qui est vraiment très très actif là. Il s'est bien adapté, il est là et on sait pourquoi on l'a fait venir et d'ailleurs il nous le rend bien quoi. Non, non, mais c'est clair non, que non. Pour la première rencontre, mettre un essai et être aussi actif au milieu de terrain dans c'est une équipe. C'est vraiment bien adapté. Exactement, à l'effectif, c'est, hein, c'est compliqué au départ, hein, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile d'être bédarrué, d'organiser le jeu oui, sans connaître tout le monde. Quoi. Exactement, est-ce que c'est un poste qui est également. Peut-être, alors on va pas dénigrer les autres postes, hein, mais est-ce que c'est plus important que, d'autres postes? Ah, t'as la fameuse colonne vertébrale, 9, 7, 6, 13, 1, qui sont quand même des postes charnières, et c'est eux qui gèrent quand même. Et ça, c'est pas l'euro million, hein, ce que tu m'as donné, non. C'est les postes. C'est pas le quinté non plus. Attention, il faut qu'on fasse attention un peu en défense, on commence à rater quelques plaquages, qui permet à Lisien d'avancer. Petit coup de fatigue peut-être du côté Villeneuve là actuellement. On va arriver tranquillement à la 30e minute. Voilà, après on est toujours quand même relativement bien organisé sur les extérieurs. Pas de soucis. Pour l'instant, ça tient. Cinquième tenue. Et puis pas beaucoup de changements hein, pour le moment, Sébastien, des deux côtés. Hein. On a eu nous, on a fait deux. Vladika qui est sorti. Il y en a eu d'autres. Hein. Samy Maslow. Aïe, attention. Oui, hop, bien. Petit en avant. Sur, voilà, exactement. Je ne sais pas s'il va nous considérer première faute. Allez, qui va rentrer là c'est le numéro 14, Villeneuvois. Damien Gauthier qui Monsieur va remplacer. Damien Gauthier qui va rentrer. William Austin, normalement. Hein. Exactement, ça devrait être le changement. C'est le changement habituel. On va essayer de voir un petit peu l'équipe ouais, pour le moment. Alors par contre, au niveau de la pluie, hein, on ne le voit peut-être pas sur les écrans hein, chez vous. Mais je pense que vous êtes pas mal chez vous, hein, parce que sur le terrain, ça commence à sérieusement tomber. Et nous, on est pas mal dans la guitoune. Et on est pas mal. Nous, on est bien. On est bien, mais c'est vrai qu'il pleut, il pleut pas mal. Et là, ça va peut-être voilà, compliquer les phases de jeu avec ballon. Et on va peut-être voilà, s'apercevoir de ballons un peu plus portés, peut-être que. Là, c'est vraiment la. Et sur les appuis. Première fois que Lézignan vient dans. Exactement, dans cette zone de vérité. Alors attention, hein, attention. On est en place. Attention, là. On est en place. Il faut bien monter sur les extérieurs. Plaquage debout. Allez, on fait l'effort. On fait l'effort là pour pas que ça reparte, attention. Là, bien voilà, bien plaqué, hein. Bien plaqué, Valentin Ferret. Mais ça va repartir. Ouais. Là, c'est bien joué. Là, je suis c'est bien pas joué. Sûr. Hors jeu. Alors, attention. Je pense pas qu'il y soit. Alors, attention. Il est devant le coup de pied pour moi. Ouais. Alors, les arbitres vont se consulter pour savoir si Thomas Malfaz, le troisième ligne, les Ignanais. Voilà, c'est ça. Pénalité pour nous. Pénalité pour les Villeneuvois. Donc, pas d'essai. On en est toujours à 6-0 pour les Villeneuvois, pour l'équipe locale. On joue la 31e minute. De cette deuxième journée d'élite 1. Les conditions de jeu vont se compliquer. Hein. L'avertissement sans frais. C'est clair, un avertissement sans frais. Attention, on a 10 minutes du côté Villeneuvois, des hommes de Fabien Devecchi pour garder ce score et rentrer au vestiaire avec une légère avance, parce que c'est très très léger quand même, un essai transformé. Comme on l'a dit juste avant, Damien Gauthier, le numéro 14, qui est rentré à la place de William Ousti. On va essayer de dynamiser un peu derrière le tenu, de faire entrer quelqu'un de frais pour justement accélérer ce jeu, ce qui pourrait être très intéressant. Là, on va sur la pénalité, on va sûrement taper en touche, gagner du terrain. Et ce qui va être important aussi, c'est vraiment de finir cette chaîne, d'aller le plus loin possible, de revenir un peu dans ce camp de Lézignan pour remettre un coup de pression. Et là, c'est Thomas Lasven qui va... Alors, on attend, oui, on attend parce que... Il y a un blessé du côté de Lézignan. Et je crois que c'est Thomas Malfaz hein, qui est blessé. Là, on est dans nos chaînes. On a complété à peu près 70% de nos chaînes
avec sur les 10 dernières minutes, on est en train un petit peu de faiblir. Donc, mais du coup, ça se voit. Alors, on a vraiment l'impression que, ouais, là, je pense que c'est un. Ouais, là, il est pas bien. Il est vraiment pas bien. On a l'impression que c'est soit genou qui a tourné. Et là, on attend que. Et je pense que c'est Anthony Horst, hein, l'autre troisième ligne qui va revenir. J'espère que c'est pas trop grave comme blessure. Mais. Alors, on a vu le soigneur du côté de Lézignan. Le problème, c'est qu'il peut pas, il n'arrive pas à se relever, Thomas Malphaz. Et j'ai peur que ça soit le genou gauche qui est pris. Alors, après, on peut avoir le ménisque, le ligament croisé, les antérieurs. On espère pour lui. Enfin, tiens, nous avons le soigneur de Villeneuve qui est avec le soigneur de Lézignan. Qui est également là. On notera quand même le bel état d'esprit. Bien sûr, oui, ben le 13 et. Ils se connaissent tous et c'est vrai que aider, voilà, là il se relève quand même. Ah, sur le terrain. Thomas Malphaz. Sur le terrain, on se met quand même des bons cartons des fois, mais quand même, on s'aime bien. Allez, Anthony Horst qui est rentré à la place de Thomas Malphaz. Pour Lézignan, on ressort le ballon du côté de Villeneuve avec Damien Gauthier. Allez, Geoffrey Zava. Qui est là ? Qui est rentré, une nouvelle recrue également, mais une recrue qui revient également à Villeneuve. Hein. Geoffrey. La famille Zava, on les connaît bien on également connaît bien, chez Geoffrey, les Verts et Blancs. Une personne très appréciée par le groupe, un bon animateur. Ousine Fakir aussi. Allez, Ousine Fakir qui est là également. Bon. On considère qu'il y a un en avant du côté villeneuvois. Les Lézignanais se congratulent par rapport à cette faute villeneuvoise. Ils considèrent que c'est grâce à eux. Ouais, mais on dira comme tout à l'heure, hein, l'arbitre a toujours raison. Je sens un doute dans ta voix, Sébastien, mais ce n'est pas grave. Après, allez, on est au milieu de terrain. C'est plus facile pour nous à hauteur que lui. Hein, en bas. 32e minute, 6-0 pour les Villeneuvois face à Lézignan, la deuxième journée. On est heureux de vous proposer cette rencontre, puisque bien sûr le stade Max Rosier est fermé au public, on est en huis clos. Mais si vous êtes tranquillement dans votre canapé un samedi après-midi pour voir du bon rugby à 13, on en est très très heureux. Et nous on passe un vrai plaisir avec vous, avec Sébastien Gaufre qui m'accompagne pour ce match. Dans quelques minutes, on va essayer d'avoir James Twitaï. La nouvelle recrue, David Nevoix, au micro avec Sébastien Gaufre. Il vient de nous rejoindre pour qu'il nous dise un petit peu son sentiment de ce premier acte. Il est arrivé hier soir. Il est arrivé hier soir. Hein. Ça a été long, hein, le voyage, mais ça a dû être long. C'est un garçon qu'on a pu rencontrer hier soir avec Nicolas Dumoulin, hein, qui a la réalisation aujourd'hui pour ce match, qui est également le photographe officiel. Attention, là. Attention, ça rentre. Oui. Ouais. Oh là là, le décalage. Eh oui. Et c'est un essai de Valentin Ferret pour Lézignan à 7 minutes de la fin de la première mi-temps. On sentait un petit peu de fatigue du côté villeneuvois, Sébastien. Là, le défaut aussi de la cinquième tenue, on a cru que ça allait jouer au pied. On est resté attentif. On n'est pas monté en défense, et bien, ça n'a pas raté. Ils ont joué à la main et sur les extérieurs. Et bien, ils nous ont débordé. Allez, bien joué. Essai pour Lézignan, 6-4 avant de tenter la transformation dans quelques secondes. 6-4 jusqu'à avant la mi-temps. Alors on sait bien que, et on le dit assez souvent dans le rugby, est-ce que c'est compliqué de prendre un essai à 5 minutes de la mi-temps là? Est-ce que ça met un petit coup au casque quand même? C'est jamais très très bon. Bon, hein, il reste encore 5 minutes. C'est pas fini. Moi je dis qu'il peut se passer encore quelque chose d'ici la mi-temps. Bon, je te suis. Hein. Sébastien, je te suis là-dessus. Mais... Hein, vu que tout à l'heure tu m'as dit qu'il fallait jouer la touche pour la pénalité et qu'en fin de compte, il y a eu un essai pour Villeneuve de Mourad Clouage, donc je te suis. Voilà, tu vois. Bon, la pénalité était quand même plus qu'accessible pour un joueur de ce niveau-là. Normalement, il ne devrait pas avoir grande surprise. Voilà. Pour impeccable. Le numéro 7 de Lézignan. Et je vais retrouver son nom, c'est Rémi Marginet, bien sûr. Excusez-moi, Rémi Marginet. Et c'est transformé pour Lézignan, 6 partout, encore 5 minutes avant la fin de cette première mi-temps.
logique et justifiée pour les ignorants, parce que ça pousse ça quand Ah, même ben là, depuis quelques minutes, hein. depuis 5 minutes, on a fait quelques fautes. Ils étaient chez nous. C'est le rugby à 13. De toute façon, c'est comme ça. Dès qu'il y a de la faute et qu'il n'y a plus de complétion, qu'on complète plus les chaînes, et bien derrière, il y a sanction. Allez, là, il faut repartir sur une bonne défense, mettre une bonne pression, essayer justement de mettre cette pression, parce qu'avec le ballon glissant, si on monte bien, ça peut quand même perturber ces avants de Lézignan pour ressortir de leur camp. Bon, plaquage. Voilà, impeccable. Ils ont dû. En trois tenues, ils n'ont pas bougé. Qui va continuer à attaquer. Attention, il va falloir quand même serrer en défense un Ouais, peu parce parce que ça que commence à. exactement, c'est qu'on est à 4 minutes de la mi-temps et les Lésiennes se sont fait la cerise un petit peu, hein, Là, par il rapport au commence à début de la prendre rencontre. confiance. Si on les laisse trop jouer, ça risque de nous faire bizarre. Petite surprise sur un score là actuellement. Toulouse qui est en train de mener 14 à 12 à Perpignan, enfin à Saint-Estève. Allez, il faut qu'on reparte comme il faut. 3 minutes, qu'on avance bien. Allez, Massolo joue vite. Qu'on essaye de. Voilà, c'est intéressant. On enchaîne derrière la tenue. Damien Gauthier qui part. Ah, il faudrait finir la mi-temps, Sébastien, là-dessus, hein. Parce que peut-être que les Villeneuvois là sont un petit peu fatigués. Est-ce que. Ce qu'on disait avant le match, là, on est quand même dans des petits soucis d'intégration, enfin de premier match de début de Ouais, bien saison, hein, sûr. où on était bien parti, puis Ah, par contre, celle-là après. est très belle, hein. Celle-là, ah, peut-être un peu longue, hein, de Thomas. Oui, oh là là, oh là là, attention. C'est surtout qu'on est mort. Attention, attention. Damien Cardas, hein, qui est parti sur une chevauchée. De 20 mètres. En défense, on est parti un peu tout seul, là. On a Attention. oublié de Ouais. jouer en équipe. Voilà. Là. On reprend bien. Qui joue côté gauche. Sur les extérieurs, on est côté droit là-bas, on est bien en place. Arrivé à la libération, attention, là, c'est ce genre d'action qui peut amener du danger. Hamza était Ouais, attentif, hein. bien Attentif placé. parce que c'est, on va le redire, hein, mais c'est vrai que la pluie, On le dirait ballon pas, glissant, mais les chandelles, c'est attention, parce que c'est des choses difficile, qui hein. peuvent. Exactement. On ne sait jamais si on est bien placé. Là, le ballon peut glisser parce qu'il y a eu un rebond en plus devant. Il y a ça, et à chaque fois qu'il y a un impact, là, le ballon glissant, c'est terrible, quoi. On revient au milieu. Et Damien, Gauthier, on va continuer. Cinquième tenue. On va essayer, voilà, long jeu au pied. Allez, là, il faut bien monter en défense. Essayez de bien les prendre assez haut. Voilà, parfait. Être un peu plus agressif en défense. Essayez de voir si on peut provoquer cette fameuse. Essayez de récupérer un ballon pour provoquer une faute avant la mi-temps. Allez, encore 20 secondes, hein. 20 secondes avant la mi-temps, on est à score de parité entre Lézignan et Villeneuve, 6 partout. Je ne suis pas sûr que le chrono là-bas soit bon. Hein. Parce que je ne sais Alors, on pas va voir s'il a si. arrêté. Je sais pas s'il a arrêté, tu sais, pendant la Alors, il l'a blessure. arrêté, si, il l'avait Non? arrêté, hein. Ne t'inquiète pas, Sébastien, moi je suis attentif Bon, c'est au bien. chrono également, hein. T'inquiète. Hop, Allez, dernière attention, action. attention, voilà, Jovanberg, très bien, Allez. super, super, raffut. Allez, il rentre. Ouais, belle première mi-temps, hein, de Jovanberg, hein. Ça fait plaisir, hein.
Mi-temps, score de parité. Et voilà, la mi-temps sifflée par Monsieur Fabien Nicot. On est à 6 partout pour cette rencontre, cette deuxième journée d'Elite 1 entre Villeneuve et Lézignan. Moi, je vais seulement laisser le micro et bien le casque quelques minutes pour toi, Sébastien. Et on reçoit, bien sûr, notre nouvelle recrue, James Tuitai, qui va venir nous rejoindre dans quelques secondes. Hein, Sébastien, on rappelle la mi-temps, 6 partout entre Villeneuve et Lézignan. Dans quelques minutes, les joueurs villeneuvois rentrent au vestiaire comme les joueurs lézignanais. Rien n'est fait, ni d'un côté ni de l'autre. Encore 40 minutes pour faire la différence. Je te laisse, je passe le micro, hein, ça va être, c'est de l'artisanat. Hein. Je passe le micro à mon ami James qui va se placer sur la chaise ici. Et je vais laisser la traduction et l'interview à Sébastien. Hello James, nice to meet you. Happy to have you with us in Villeneuve today. So, what do you think for the first half? The first half, very physical. First 20 minutes, good grind between the two teams. Les 20 premières minutes, c'était assez physique. On a bien vu le bras de fer. Et après, after the 20 minutes. After 20 minutes, that's where they kind of see the differences between the two teams. Après les 20 minutes, le fameux bras de fer, vous avez pu voir l'écart se creuser entre certaines équipes. And so we are close to score and we make some mistakes. Yeah, to make the difference and pull back Lézignan in the game. Yeah, just a few mistakes in the middle. I think wet weather plays a big role with that as well. A couple of mistakes that let them off the hook and voilà, score. Il est dit que sur les 20, de la 20e à la 30e, on a pris le dessus. Puis après, quelques petites erreurs qu'ils ont bien relancées dans le match avec les joueurs d'expérience qu'ils ont. So, what's your objective you this season with us? Just win the comp. Win the comp. Ouais. Ses objectifs sont de gagner et de monter le club. So we are happy to have you. We hope see you next time on the field for score some tries. Yeah, and thank help you. Us to win. Thank you to have us. Grateful to get the opportunity to be with the great club. Il est content d'être là et d'avoir cette opportunité d'être pour de jouer pour un grand club français. Thank you very much. Thank you. À James, hein, qui est arrivé hier avec d'avion directement. Nouvelle recrue. Si vous avez l'occasion, vous pouvez, après le match, regarder le YouTube. Hein. Regardez quelques vidéos de James. Je peux vous dire que ça donne. Hein. Assez impressionnant. Physiquement, quand même, il est pas mal. Hein. Il est bien pris. Allez, mi-temps. 6 à 6 pour le moment. Entre Lézignan et Villeneuve. Moi, Sébastien, je voudrais avoir ton expertise technique un petit peu à cette mi-temps pour du côté villeneuvois. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Est-ce qu'il va falloir mettre un, on va dire, pas vulgairement, mais populairement, un coup de bourre dans les 10-15 premières minutes de la deuxième mi-temps? Est-ce qu'il y a quelques petits changements à faire au niveau de l'effectif villeneuvois qui peut peut-être être un peu fatigué? Bon, moi, je pense que c'était bien jusqu'à la 30e où on a fait quelques erreurs décisives. Qu'est-ce qui me revient là, la percée de Thomas Lasven qui fait un mauvais choix. Après, la petite faute pour moi d'arbitrage où on aurait pu scorer. Il faut qu'on gomme ces petites erreurs et que là, on y aille. Quoi. Que maintenant, on score comme il faut et qu'on avance. Bon, on va donner des nouvelles de Thomas Malfazin sur l'essai qui a été refusé par l'arbitre et blessé. Alors bon, on voyait une blessure un peu plus au niveau des genoux et tout ça. En fin de compte, là, Raphaël Ousti s'est renseigné, c'est l'épaule pour Thomas Malfazin. Mauvaise réception. Bon, mauvaise réception. On ne connaît pas la gravité de la blessure, bien sûr, mais bon, on espère que ça sera. Très, très 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 bon, très très pas, enfin voilà, qu'il n'y ait pas de grosses blessures pour le joueur lézignanais. On va vous laisser quelques minutes,
On va prendre un petit café, nous. Et on revient avec vous dans quelques minutes. Restez bien, 6 partout. Il y a tout est à faire d'un côté et de l'autre. On revient dans quelques secondes.
On est de retour avec vous. Les Villeneuvois sont un petit peu en avance pour cette deuxième période, on vous rappelle. Ils se sont peut-être un peu fait secouer, hein. Ils leur tardaient de revenir sur le terrain, de ne pas trop rester avec Fabien. Est-ce que ça peut arriver qu'on se fait tellement secouer dans les vestiaires par l'entraîneur qu'on a envie de revenir plus vite et on se dit, bon allez, on y va là les gars. Ça peut arriver pas, Sébastien. Pas à cause de l'entraîneur, mais l'avoir envie de revenir pour rattraper un peu ce qui a mal été fait en première mi-temps, oui. On rappelle, Sébastien, 6 partout entre Villeneuve et Lézignan. Premier essai à la 24e minute de Mourad Krioach, transformé par Thomas Lasven. Et puis à la 33e, c'était Valentin Ferret de Lézignan, transformé par Rémi Marginet. 6 partout. Tu as dit qu'il va falloir mettre les bouchées doubles là, en deuxième mi-temps. Voilà, oui, de toute façon, si on veut gagner le match, on n'a pas trop le choix. Allez, un gros quart d'heure d'entrée, pas de faute. Et dans les 20 premières minutes, il faut marquer deux fois. Alors, je ne suis pas en position de dénigrer le banc de touche lézignanais, mais est-ce que le banc de touche villeneuvois est peut-être un peu plus fourni? Normalement, on est supérieur. Donc, ça devrait se voir. Enfin, à l'heure de jeu, ça doit tourner. Hein. Si on ne fait pas trop de fautes et qu'on respecte les consignes, bon, on sera là. Hein. On sera là et on espère. On espère pour notre première diffusion sur la chaîne YouTube de Léopard Aquitaine, on espère que ça gagne du côté des verts et blancs, hein, qu'on ne nous traite pas ensuite de chat noir, Sébastien, hein, qu'on ait encore accès au vestiaire de l'élite. Toi, il me semble qu'il y a deux saisons, t'étais mal vu ici. C'est bien pour ça, hein, c'est bien pour ça que, voilà. Allez, retour de Lézignan avec mon camarade Nicolas Dumoulin, on était quand même, traité de chat noir, hein, par beaucoup de joueurs de l'élite. Mais ça, c'était avant. C'était le monde d'avant, Sébastien. Ouais. Aujourd'hui, tout va bien. Exactement, aujourd'hui, tout va bien. Allez, on est parti pour ce deuxième acte, hein, cette deuxième mi-temps. Les Lézignanais qui reprennent leur place. Sous une pluie qui ne s'arrête pas de tomber. Hein. Ça, je pense que ça va devenir compliqué petit à petit. Un temps comme ça nivelle un peu les niveaux. Et surtout, oui. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment faire le moins de fautes possible pour être là. Quoi. Allez, Fabien Nico, qui regarde ses adjoints. Les deux équipes sont en place. Et c'est parti, dans quelques secondes, pour cette deuxième mi-temps, c'est parti. 40 minutes pour que les Villeneuvois, pour que les Léopards prennent l'ascendant sur cette équipe de Lézignan qui fait sa première mi-temps. Hein, les petits jeunes sont courageux. Là, allez-y. Exactement. Allez, c'est parti pour Lézignan. Les Villeneuvois ont donné le là. Maintenant, à voir si Lézignan sort du terrain sur les premiers tenus. Voilà, on le sent. Hein, attention, voilà. Le ballon, bien sûr. On l'a dit, la pluie ne va pas arranger les choses sur les phases de jeu à la main. Attention, les spectateurs également. Ils ne sont pas d'accord sur certaines décisions, hein, de Fabien Nico, mais ça, bon, ce sont les supporters. On est dans le camp, hein, on est dans les 22 de Lézignan. Les Villeneuvois qui poussent en ce début de deuxième période pour essayer de faire la différence directement. C'est tout à l'heure, tu parlais des essais marqués juste avant la mi-temps, mais ce prix est juste... En début de deuxième, ça fait mal aussi. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal aussi. T'arrives avec tes consignes. Ouh, attention. Il faut le prendre dans l'embut. Voilà. Intéressant. Exactement, super. Puisque départ... Explique-nous un peu les règles, Sébastien. Quand là, on fait un tenu dans l'embut, comment ça se passe? Là, plaquage, on a plaqué l'adversaire dans l'embut. Donc, du coup, on renvoie au pied sous les poteaux, ce qui donne l'occasion d'avoir 6 tenues de plus. Alors, même si on ne marque pas, c'est quand même une chaîne intéressante qui peut vraiment fatiguer les organismes de l'équipe qui défend. On va saluer. Un petit coucou. Bien joué. Non, ça. D'accord. Ça, allez, ça joue. Je vais vous dire après, voilà, on va faire un petit coucou à l'antenne, à un ancien joueur, ancien capitaine, jeune retraité sportif des Léopards, qui nous regarde sur YouTube et
et qui nous souhaite bon courage également, et qui souhaite bon courage à ses anciens coéquipiers, Constant Villegas, on le disait en début de retransmission, Sébastien qui fait partie du staff et qui s'occupe cette année des U17. U17 et qui fait un très bon travail, il a pris la relève de Julien Mourer qui est parti cette année, lui faire une dernière année de rugby à Tonnens en tant que joueur et... Ouais. Qui était aussi qui a fait du très bon travail. Alors, oh là là, en avant de la passe de Lézignan. Hop, il s'ajoute. Et on est sur. Alors attention. On va attendre la décision quand même de Fabien Nicou. Oui, c'est bon. Essai pour Villeneuve à la 12e minute. Non. Deuxième. À la 2e minute ou 12e ? Attendez, je vais. 42e minute, oui, exactement. C'est vrai que j'ai. C'est l'âge, Sébastien, ouais, au niveau de. À Flelou, non ? Qu'on donne plusieurs marques, Sébastien. Autrement, on va se faire taper sur les doigts. Hein. 42e minute. je vais faire... Oui, ne t'inquiète pas, je vais sortir les lunettes. C'est la 42e minute. Alors, par contre, je n'ai pas le buteur. Le marqueur de l'essai. Avec cette pluie, alors, je ne sais pas si... On a la possibilité. Bon, on est à 10-6. L'important pour le moment, c'est que les Villeneuvois passent devant avec une pénalité sous une pluie battante du capitaine de une transformation, pardon, pas pénalité, une transformation de Thomas Lasven. Donc, je ne saurais pas pour le moment qui est-ce qui a marqué. Briux. Raphaël Ousti qui est attentif. Un peu plus que nous, Sébastien nous dit que c'est Dorian Brioux qui a marqué l'essai, transformé par Thomas Lasven. On est à 12-6. Ouais, il est surtout plus jeune que nous, avec une meilleure vision, je pense. Oui, c'est ça. Eh, que 27 ans aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, par contre, j'ai pas vu le gâteau. J'ai rien vu du tout. Sébastien, t'as vu quelque chose non, ou pas? Non, mais je crois qu'il nous invite après tout à l'heure. Ah, d'accord. Okay. Non, mais il va falloir qu'il emmène le gâteau parce qu'on va pas aller très très loin avec le protocole sanitaire et le confinement. Mais bon, il va falloir qu'il fasse un petit effort, hein, allez, Raphaël. On repart là, cette chaîne. Allez, c'est reparti. Comme tout à l'heure, important. On est 44e minute, on vous le rappelle. Les Villeneuvois qui viennent de marquer un essai là, juste à la reprise de la seconde période. Dorian Brioux transformé, attention, par Thomas Lasven. 12-6 pour les Villeneuvois. On avance. Est-ce que là, Sébastien, il faut également pouvoir garder peut-être un peu le ballon? Peut-être. Ah, là, il faut avancer, conserver jusqu'au cinquième tenu, être faire sûr un bon sur les jeu. Tenues, peut-être avec ce temps qui ne s'améliore pas du tout. Hein. Je pense que vous le voyez sur le YouTube. Hein. C'est catastrophique au niveau du temps, là. Ah, là. Donc, ça va être très, très compliqué. C'est pour ça que. Intéressant, les petits jeux au pied rasants qui sont avec des ballons très très difficiles à attraper. On sent quand même que Fabien De Vichy a dû insister à la mi-temps sur l'agressivité un peu parce qu'on est quand même plus actif. Voilà, exactement. Une nouvelle faute de Lézignan. Allez, là, les Villeneuvois qui se congratulent bien sûr, puisqu'un en avant de Lézignan qui va donner. Une très très bonne occasion hein, de mêler pour les Villeneuvois à la ligne des 22 mètres hein, de Lézignan. On va avoir un bon ballon d'attaque là, ça serait intéressant, comme tout à l'heure au moins, de repartir sur un 6ème. Exactement, tenue, et en plus en milieu de terrain, hein, en dessous les poteaux, donc il donne deux possibilités à gauche et à droite. Gauche, hein, c'est ça la possibilité. Hein. Allez, ça tombe. Mais pour le moment, le score, et c'est tombé dans l'escarcelle des Villeneuvois. 12-6. Allez, là, ça tombe. C'est qu'à le dire. Hein. Ouais, là, ouais. Là, c'est pas de la pluie fine. Hein. Là. On nous l'avait annoncé, hein, vers 17h, 70 poursuit. Et c'est clair que on nous a pas menti. Dommage. Eh ouais. Attention. C'est là vraiment où la différence peut se faire. Il ne faut pas faire de faute. Et surtout au maximum, quoi.
absolument faire attention. Après, avec ces ballons d'attaque, faut pas les regretter après, hein. C'est ça. Comme tout à l'heure en première mi-temps, tu vois, on a regretté trois occasions qui derrière, c'est dommage. Enfin, il faut pas de regrets à la fin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il va pas falloir les regretter. Allez, mêlée pour Lézignan, qui va repartir très proche de leur poteau. Hein. Il va falloir être courageux. C'est pareil. Si on arrive à faire une bonne pression, voilà, ça, exactement. Ça celle-là est bonne. Celle-là est bonne pour les Villeneuvois. Hein. Aux Lézignanais pour sortir de leur camp. Celle-là est très bonne. Allez, deuxième tenue. Il ne faut pas laisser passer. Il hein. ne faut pas laisser de brèche dans la défense pour les garder dans leur camp. Hein. Voilà. Voilà. Celle-là. Ouf. Là, c'est pareil. Hein. Bienvenue dans le Lot-et-Garonne. Ouf. Je crois que c'était pas toi, Patrice. Ah oui, pas venu pour rien. Hein. Mais moi, on me fait ça et je reste. Je pense qu'on vient me chercher directement. Incroyable. Allez, cinquième tenue. Des sacrés gaillards. Allez, Johan Gouache, voilà, le cinquième. Et c'est là où il va pas falloir faire. Voilà, Hamza. Superbe, Hamza. Hamza Bachouk, allez. On va chercher Farid Nicolas. Exactement, qui revient au milieu, hein, qui revient. Solide, qui. Dans le trafic. Allez. Allez, Joe. Joe Van Beek. Ouf. Joe, eh. Là aussi, réception. Découpage. Ça. Baptiste, allez, on avance, on avance, on avance, on avance. Non. Bon. Allez. Fabien Nico considère. Considère que qu'il y a un en avant de la part des Villeneuvois. Donc il y aura une mêlée vraiment au milieu du terrain pour Lézignan. Deux scores actuels. 50e minute pour le moment. On vous disait qu'en début de rencontre, hein, il y avait 12-14 pour Toulouse à Saint-Estève. Eh bien, c'est toujours Toulouse. C'est toujours le Théo qui mène à Saint-Estève à la 50e minute. 18-12. Et puis à la 8e minute, Avignon qui mène sur le terrain d'Albi. 6-0. Début de rencontre, c'est la 8e minute. Donc, on a, comme le disait Sébastien, on a encore le temps. Mais c'est vrai que c'est une petite surprise, peut-être, Avignon, hein, qui est devant Albi ou pas, Sébastien, pour toi. Bon, après, c'est le début du match. Raphaël me dit que non. Hein. Pour lui, c'est pas une surprise qu'Avignon soit devant Albi. Alors, on va écouter les spécialistes de 13 mondiales. Exactement. On va écouter les spécialistes de la presse spécialisée du rugby à 13. Allez, on continue. Attention, attention parce que les Lézignanais reviennent là dans le camp de. Ce serait intéressant que, enfin, pour nous, hein, pas pour les Lézignans, mais qu'il se passerait sur la série. Quoi, exactement. Parce qu'on ne les relance pas. Quoi. Voilà, allez. Voilà, attention, ouais, attention. Soucier, bien joué. Ouais, hop, 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 belle hop, couverture, hop, belle couverture. Ouais. De Joe. Belle couverture. Ah, et puis en plus, là, Sébastien, on le sait bien, le terrain va devenir très, très lourd. Là, très compliqué. Les courses vont être de plus en plus compliquées. Les organismes vont être mis à dure épreuve aussi. Hein. Là, il va falloir. Là, les ischios et tout ça, là, ça va. Et les mollets, ça va couiner un petit peu. On n'a pas là. Trop été habitué à la pluie jusqu'à présent, donc c'est sûr que. Oui. Bienvenue en hiver. Oui, bah, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Non, non, mais on peut s'y attendre, mais c'est clair. Oh là là là, ouais, ouais, ça glisse de tous les. C'est pareil pour eux, hein. Allez, il faut mieux prendre la sécurité comme le fait si bien Pierre Cosinus. Hein. Au pied, tranquillement, il récupère à la main et le tenu du côté de Lézignan. Pouf! Attention, il faut les accrocher. Restons. On est bien dans la pression. Exactement. Là, on est bien. Là, on est bien du côté de Villeneuve. Hein. Attention, ouais, parce que ça se déploie dans le trafic. Avec un temps comme ça va être compliqué de jouer au large. Exactement. Hein. Exactement. Est-ce qu'ils vont prendre le risque, hein? Non, ils vont rester auprès avec les gros. Et on essaye d'avancer de la part de Lézignan. Allez, il reste debout, hein. Il arrive, attention, cinquième tenue, alors on va jouer, bien sûr, oh, voilà, ça, voilà, ça, faut ça, la laisser ça, sortir, voilà, bien sûr, repart. Bah oui. Ah, c'est vrai que, essayer de, sur le cinquième tenue, ce petit, shoot rasant, avec la pelouse qui est trempée, c'est compliqué, hein. C'est l'idéal très pour le botteur et pour les chasseurs, mais pas pour le réceptionneur. Hein. Bien sûr, non, très compliqué, très compliqué. Oui. Si on joue. Allez.
Allez, on est parti, là, ça repart. Allez, voilà, les Villeneuvois, Damien qui met rapide. De la vitesse, là, ça y est, tu l'avais dit, hein. Son entrée fait du bien. Hein. Également, là, Damien. Normalement, Damien, on devrait l'avoir encore. Allez, Mourad Krioach, Samy Maslow. Une dizaine de minutes, et après, on devrait exactement. Avoir... Exactement, William qui va redonner un coup de peps en deuxième lame. Allez, attaque. Attention, c'est un peu... Ouais. Eh oui, faute. Alors, on tient à s'excuser hein, également si vous avez à certains moments quelques petits problèmes de... pour regarder le match, hein, puisque bah, avec les intempéries, la pluie battante ici sur Villeneuve, vous pouvez peut-être avoir quelques séquences du match que vous allez louper, mais bon, on espère que moins le son et l'audio passent pendant ce match. On va continuer à vous le commenter de toute manière. On est à la 53e minute. Les Villeneuvois sont toujours devant, hein, à 2 essais transformés à 1, 12-6 pour les Villeneuvois. Ah, on a Lézignan qui fait un peu de turnover aussi. Exactement, ça rentre, ça sort. Nous aussi, on va avoir deux joueurs qui vont rentrer. Étienne Guéraud, hein, le jeune junior, est revenu sur le terrain. On voit Eddy Petitbourne et Lazarus Atabou qui vont revenir. Les deux étrangers qui vont revenir sur le rectangle vert. Alors attention à la réception de ce ballon. Oui, oh là 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 là, attention. Voilà, oui, la touche. Alors. Est-ce qu'il l'a poussé en touche? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui va être? Je pense qu'on devrait récupérer le ballon. Il n'y a plus rien. Mais pour Lézignan. Alors d'ici, c'est compliqué à vous expliquer pourquoi, Sébastien. Je pense qu'il a considéré une perte du contrôle de ballon, c'est ça, Raph? Ouais. Parce que le ballon part en arrière, mais bon. Allez. Allez, là, il faut mettre les barbelés. Il n'y a pas autre chose à faire. Exactement. À la tête, au pied, partout. Il ne faut pas qu'il marque. Il ne faut pas qu'il marque. Allez, on va essayer de... Petit côté de Zignan. On était vigilants. Exactement. Mais attention, parce qu'on est encore dans les 22. Il faut le pousser. Voilà, le repousser un petit peu plus. Gagner des mètres. Allez, on reste bien vigilant, une bonne communication en défense. Attention, parce que ça se rapproche quand même. On sait que il y a quand même du jus hein, également du côté de Lézignan. Attention à ces joueurs là sur les. Là, c'est pas trop un terrain maintenant ce qui devient pour les petits. Exactement. Ouais, appuis, ouais, hein. Ouais, ouais. Allez, attention. Attention. Ouais, parce que ça joue quand même, hein, même s'il y a de la pluie, ça joue quand même, attention. Hein. Cinquième tenue pour le... On devrait avoir droit au brasier encore. Attention parce que ça va jouer, exactement. Et renvoyer donc, entre les poteaux. Alors là, je n'ai pas vu si... Renvoi au pied. Bien joué, les Lézignan. Ouais. Allez, renvoi au pied de Thomas Lasven entre les poteaux, puisque c'est Thomas qui a sorti le ballon de l'embute, volontairement. Bon, donc on va repartir de la ligne d'essai. On va positiver là, ils sont lésignants dans un temps fort. Ouais. Si ça ne marque pas, c'est pas mal pour nous. Exactement, voilà. Exactement. Hop, voilà, hop, 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 et ça c'est très petite bon. Erreur, c'est sympa. Petite erreur, normale, avec le terrain. Bonne vision également pour Thomas. Hein. Pour Thomas Lasven, puisque ce petit shoot rasant a permis de garder les lésignanais au milieu du terrain. Allez les tenues. Une belle série en défense, une belle chaîne, qu'ils ne s'approchent pas trop de notre terrain pour éviter ces petits jeux au pied rasant qui leur permettent de récupérer la balle. Et ça joue bien, hein, malgré la pluie, ça joue bien. Hein, ça... Il n'y a pas trop de fautes quand même. Exactement, il n'y a pas beaucoup de fautes de main. Et c'est vrai que les Lézignanais sont bien. Si la défense villeneuvoise, pour le moment, ne craque pas, hein, c'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'il y ait trop de séquences à suivre. Ah, c'est compliqué. Au rugby à 13, hein, on se repose en principe quand on attaque. Hein, exactement. Exactement. Allez, on garde. Libération. Qu'il n'avance pas, attention. Attention. Ouais. Ne pas laisser. Ouf. Oh là 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 là. Arrêt. Ouf. On s'arrête. Ouais, c'est l'arrêt du bus. Oui, c'est l'arrêt de bus. Attention. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Voilà, ça sort. Est-ce qu'il l'a touché?
Ouais, entre les poteaux encore une fois. Ouf, c'était oui, c'était l'arrêt Mirmori tout à l'heure là. Ouf. Bon allez, allez. Fais l'effort en défense, ça c'est dur, mais il faut continuer, il faut s'accrocher. C'est là où le stage que l'équipe a fait au temple sur l'hôte devrait donner ses fruits. Ils ont travaillé leur mental là-bas et j'espère que ça va y aller. Là. Score a changé pour le moment. Hein. Pour tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube des Léopards d'Aquitaine, 12 à 6 pour les locaux. 24e minute en première mi-temps, c'est Mourad Krioach, essai transformé par Thomas Lasven. À la 33e, Valentin Ferret, essai pour Lézignan, transformé par Rémi Marginet. Et puis juste en début de deuxième mi-temps, c'était Dorian Brioux, et transformé par Thomas Lasven. On est à 12-6 pour les Villeneuvois. Petit blessé. Et là, blessure du côté de Lézignan, on vous rappelle, et on espère que c'est pas grave hein, pour Thomas Malfaz hein, qui s'est blessé sur un essai qui a été refusé par l'arbitre Fabien Nico et qui serait blessé à l'épaule. Donc c'est vrai que une équipe jeune de Lézignan, hein, moyenne d'âge de 25. Jeune, mais quand même, qui tient la route. Exactement. Ce soir, il n'y a pas de problème pour exactement. Eux. Exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est, ils sont peut-être en train de saisir leur chance et ça va donner attention. À Aurélien Colony des soucis à se faire pour la composition d'équipe dans le futur. Ce qui n'est pas plus mal pour un entraîneur. Mais il vaut mieux être dans ces cas-là que se dire qui c'est que je mets. Des problèmes de riches, ouais, entre guillemets, voilà. Hein, même si on ne parle pas d'argent. Mais c'est d'avoir tous ces joueurs comme ça, c'est quand même pas mal. Allez. Tenue, on repart avec le premier tenu pour les Lézignanais. On est dans le camp des Villeneuvois. Allez, hop, ballon, une faute. Voilà, c'est bon ça. Allez, on est parti. Il faut ressortir. Voilà, allez. On va se jouer. Exactement. Allez, premier tenu, très très bon. Très bon ça. Alors là, pour moi, on n'a pas marqué un essai, mais sur les 10 dernières minutes, exactement. C'est, on a marqué là, tu disais chose. Que le temps fort des Lézignanais, il aurait fallu qu'ils marquent, hein. Ah, c'est clair. Hein. C'est ça, ils ont rien marqué, ils ont enchaîné plusieurs fois des repeat sets, on appelle ça, des renvois sous les poteaux qui n'ont rien donné pour eux. Et à nous, à la sortie, on se retrouve reboosté mentalement. Et ça peut faire mal à la tête également. Du coup, hop, 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 bah oui. Ouf, oulala, oulala, alors attention. Donc là, Eddy Petitbord n'est pas tout à fait d'accord avec la décision de Fabien Nico sur l'en avant sifflé et mêlé pour Lézignan. Voilà. Ah non. Alors attendez. Si. Hein. Là, il arrête le temps. Là. Il arrête le temps. On est à la 59e minute. 12 à 6 pour Villeneuve. Bon, merci. Tu vois, tout à l'heure, quand je te disais de compléter les chaînes jusqu'au cinquième tenu, nos deux premières chaînes, nous les avons complétées. On a fini la première sur un petit jeu rasant qui nous a permis de récupérer le ballon. La deuxième, on marque. Et depuis les cinq dernières fois qu'on a eu le ballon, et ben, on a fait des fautes. Et les Ilians est là. C'est pas plus compliqué. Hein. Et ça se paye directement. Allez! La mêlée qui est jouée par Lézignan, premier tenu. Johan Gouache qui va venir récupérer le ballon. On met les gros. Là. À contribution là. Avec Thibaut Margalet qui l'a. C'est un temps idéal pour les gros, comme tu l'as dit. Exactement, là. C'est incroyable ce qui tombe, mes amis. Sur le stade de Max Rousier. Ouf, oh là là, oui, même là, on voit même que. Ils jouent au large et ils jouent bien. Hein. Il va y avoir du travail pour le service technique de la mairie de Villeneuve-sur-Lot hein, à partir de lundi. Alors, les Ignanais sont pas non plus. Oh là, hop. Ça, c'est pour plutôt la France a un incroyable talent plutôt que le rugby. Petit jonglage. Allez, ouais, on repart avec Hamza Bachouk. Il faudrait qu'on arrive à vraiment finir cette chaîne de 5 tenues pour.
mettre une bonne pression dans le camp adverse, parce que là, c'est Lézignan qui campe dans le camp Villeneuve. Ouais, on a de la peine à ressortir, hein, Sébastien. On est à la 60e, encore 20 minutes à tenir. On sait que, comme tu le disais, au 13, 20 minutes, c'est très très long. 12 à 6, on n'est pas à l'abri du côté Villeneuve. Non, ça peut aller, il faudrait vraiment un petit coup de boost là. Ah, il nous faudrait vraiment bien sortir un bon jeu au pied. Idéalement, avoir une pénalité pour nous, ça serait fantastique. Hein, mais pour l'avoir, on t'entend, il faut jouer vite. Hein. Pour l'instant, on n'y est pas. Ouh, attention. On va la récupérer là. Oui, voilà, c'est bon. Mais c'est juste. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, faute des Villeneuve. Contre sixième tenue. Hop, ça joue. Non. volontaire. Allez. Bon. Là, on n'est pas bien. On n'est pas bien du côté Villeneuve là depuis plusieurs minutes. On n'arrive pas à se sortir de l'emprise de Lézignan qui joue bien hein, cette deuxième partie de deuxième mi-temps. Hein. Sébastien. Ils maîtrisent leurs actions. Ils font pas tomber le ballon. Exactement, parce que étrangement par rapport au temps et au terrain, on le disait, ils jouent. Hein. Voilà, ça joue. Ils ont eu les cinq premières minutes où ils ont tombé le ballon. Et ils ont fait tomber le ballon. Attention. Hein. Attention, est-ce qu'il y a essai? Non. Il n'a toujours pas passé la ligne pour le moment. Attention parce que... Allez, qu'est-ce qu'il... Ouf. Alors, ça... Pénalité pour nous. Allez, pénalité pour Villeneuve. Bon, mais celle-là, elle fait du bien aussi. Hein. Je te sens soulagé, Sébastien. À force, quand même, je trouve qu'on est bien organisé en défense, mais tu sais, la petite erreur peut toujours arriver. Et là, ouais, puis à ce niveau-là et à l'emplacement, là, ça coûte cher. Allez, Thomas Lasven qui a envoyé pour la pénalité en touche. On est reparti du côté Villeneuve. Ah, il faut qu'on y arrive à finir cette chaîne, partir, même s'il faut. Moi, je serais pour au troisième ou quatrième. Taper loin et remettre cette pression dans le camp adverse et arrêter d'être chez nous. Oui, et puis peut-être jouer sur une maladresse, sur une chandelle avec le ballon glissant, ça peut aussi être un bon moyen pour revenir et redonner la pression sur le camp des visiteurs. Hein. Allez, Tabou, qui est attendu. Hein. On le connaît bien. Ouais. Les charges de Laza. Allez, Eddie Petitborn également, oui, ça rentre. C'est beau, ça. Mika Constantine. Voilà, bon. Mista Constantine et Hamza. Oui. Et Hamza. Bravo. Quel essai de Hamza Bachouk. Il fait du bien, celui-là, ouais. Sébastien. Celui-là, il en vaut pas 6, il en vaut 12, hein, je te le dis. Parce que. On va souffler un peu. Belle action de Constantine qui, quand même, joue bien le coup derrière 2 contre 1. Bon soutien de Bachouk. Ça rentre bien. Exactement, et Hamza, on le rattrape plus après hein, quand il est comme ça. Hein. Il va très vite. Hein. Il va très très vite. Bravo, les Villeneuve, 63e minute, 16 à 6 avant la transformation, pratiquement en face des poteaux pour Thomas Lasven. On va pas dire que c'est une formalité, mais presque. Hein. Bon, il n'y a jamais de coup pied facile, hein, mais on espère quand même que celui-là fera partie de. Des faciles. Allez. On a besoin de ces coups de pied également, hein, de cette concentration pour le buteur. Il faut qu'il soit là. On le sait. Les statistiques des autres années hein, étaient quand même aussi impressionnantes pour les buteurs. L'année dernière, avant cette fameuse crise du coronavirus, on avait Thomas Lasven qui était meilleur réalisateur du championnat. Avec Exactement, 118 hein, avec 118 points, on imagine. Hein. On imagine, donc c'est une valeur sûre et dans une équipe comme le 15 ou le 13, un bon buteur, un buteur sûr, c'est quand même le gage d'avoir de possibles victoires quand le match est vraiment fermé. Ouais. Allez, Thomas Lasven qui transforme l'essai de Hamza Bachouk. On en est à la 65e minute, 18 à 6. Tu parles de l'importance des coups de pied. On en revient à l'année de Julien Rinaldi. On avait Aurélien de Carlin quand même qui nous a fait gagner quelques matchs. Un bon petit coup de pied également. Hein. Un sacré coup de pied.
Sur les lointains, c'est clair que Aurélien de Carnin était pas maladroit. D'ailleurs, on le salue. Je ne sais pas s'il nous écoute. Si, on lui voit le bonjour. Exactement, s'il nous écoute ou il nous regarde. Je l'ai vu la dernière fois, du côté du Mazda Genève, je pense qu'il a pris un petit peu de poids. Ben, il est dans les Landes, là, pays du Canada. Ah, quel dommage, ça, ouais. Tu vois. C'est... Ça fuse. On dit ça, je ne dis ça, je ne dis rien. Allez. Ouais. Et ben là, il va falloir, là aussi, serrer un peu les vis, puisque ce ballon, ce coup de pied derrière la défense villeneuvoise qui a fusé, bien sûr, avec... Ah, alors, on mêlée. On a voulu une mêlée. Non, le ballon est sorti indirectement, donc du coup mêlé pour Lézignan qui récupère la balle à 15 mètres. Et là, à nouveau, gros danger. J'espère qu'en défense, on va toujours être présent comme depuis le début. Je me fie aux techniciens. Ouais. Technicien, comment ça s'inquiétait à force, hein. Mais non, tout va bien se passer. On est un petit peu plus tranquille quand même si Lézignan est à l'attaque, hein, dans les 22. Pénalité, donc on va repartir à 5 tenues pour les visiteurs, pour l'équipe d'Aurélien Colony. Il a joué à la main, de toute façon, là, vu le score. Exactement, parce que là, il faut absolument que Lézignan revienne, hein, au score maintenant, pour peut-être mettre la pression un petit peu sur les hommes de Fabien Devecchi et avoir une fin de match un peu plus à suspense. Allez, on continue sur les tenues. Pour le moment, on est à 66e minute de placé. Défense. De match. Attention, parce que là, ça s'écarte. Ils assurent les passes, hein, quand même. Hein, c'est pas du n'importe quoi. Les joueurs se tiennent quand même assez près les uns des autres. C'est compliqué, des conditions pour voir un jeu avec de grandes envolées. Exactement. Même si on voit un match très très plaisant, hein, de rugby à 13 malgré les conditions. Et malgré le fait que ça soit la première rencontre officielle des deux formations. Oumpo ! Allez, tampon. Voilà, ça c'est marqué. Et ça c'est fait. Attention, attention parce que là, oui, au petit coup de pied rasant qui va partir tout seul. Et dehors. On revient au 22. Et Thomas qui part. Ah oui, il part. D'accord, Thomas. Allez, Thomas, il a de la pêche. Il est reparti. Allez, on continue, les trois quarts mettent un peu de rythme. Ah, on a un blessé. Alors, un blessé du côté Villeneuvois. Baptiste Dubertrand. Un élément très très prometteur du club. Il avait de pétri de qualité. Allez, Baptiste Dubertrand qui reprend sa place. On va repartir. Deuxième tenue de Joe. Et on va essayer de remettre cette pression. Joe avec Damien Gauthier, bien sûr, derrière le talonneur. L'un des deux talonneurs avec William Mousti. Allez, Baptiste Dubertrand qui n'a pas totalement récupéré encore. Hein. Là, il est dur au mal. Là. Qui a pris un petit coup derrière la tête. C'est surtout ça. Je pense qu'il va y avoir un changement du côté des verts et blancs. Boum! Ça rentre. Avec Mika Constantine, oui. Allez, Eddy Petitbourne. Qui charge également avec l'aide de Vladika Nikolic qui est revenu avec un beau bandage style Halloween. Allez, Mourad Krioach qui fait une très très bonne partie. Hein. Très très bon match hein, pour sa rentrée avec les verts et blancs. Cinquième tenue. C'est bien adapté. C'est parti, Thomas Lasven et la chandelle. Alors attention également. Voilà, hop. Voilà, tout ce qu'on cherche. Ouais. Exactement. Non, mais le problème, c'est qu'on était tous devant le coup des pieds. D'accord. Hors jeu. Et c'est ça. C'est qu'on a. Hors jeu des Villeneuvois. Là, le placement de Thomas. C'est dommage, hein. C'est dommage. Ouais, mais tu vois, il était un peu trop en retrait. Du coup, mais c'est pas. Et on peut pas les autres sont partis avant. Ouais, on peut pas faire un ballon d'attaque. Exactement. Comme il s'est placé. Ouais. Après. Allez, Pierre Cosinus. Du côté
faut noter quand même qu'à Villeneuve, là, je après Thomas Lasven, hein, c'est pas son poste. Hein, c'est, vraiment, il est là. Oui. C'est, son poste, c'est arrière. Exactement. Notre charnière n'est pas encore arrivée. On a Stan Robin qui n'est pas disponible. Et Pita Godinet qui, lui, devra arriver courant janvier. Exactement. Avec sa femme et ses enfants, le nouveau-né, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas là. Exactement, bien sûr, oui. Donc la charnière. Sa femme ne pouvait pas prendre l'avion, bien sûr, sur les dernières semaines de grossesse, donc il est encore là-bas, mais on le retrouvera très vite. Et c'est vrai qu'avec l'apport, en plus de Pita Godinet, de Stan Robin qui n'est pas là aujourd'hui, et également d'un Mike Miloute qui n'était pas dispo également aujourd'hui, ça fait une équipe qui est quand même assez impressionnante sur le papier, qui peut faire peur. Hein. Pour moi, cette année, quand même, j'espère revoir Villeneuve dans les phases finales et loin dans les phases finales. Qu'est-ce qu'on a envie de revoir les verts et blancs en haut, hein, de l'affiche pour Villeneuve? Aïe, attention. On la récupère pas. Et là, allez, de toute façon, on s'en repart. Allez, Baptiste Dubertrand est sorti. C'est Mika Constantine qui est passé au centre et Houssine Fakir qui est rentré en seconde ligne. Pour cette fin de rencontre, on vous rappelle, 70e minute. 3 essais transformés pour les Villeneuvois contre un essai transformé pour les Ignants. Villeneuve. Pénalité pour les Ignants, on aura un titre de ligne. Alors attendez, voilà, tranquillement. Villeneuve mène 18-6 pour le moment face à une équipe qui. Quand il y aura. Moi j'aime autant les prendre maintenant, hein, Sébastien. Parce que quand il y aura Anthony Maria, Wesley Lolo. Jacob Gagan, le centre australien dynamique qui va arriver, ça va être peut-être une autre histoire. Hein. Et de toute façon, les Ignants, c'était sûr que c'était plus intéressant de les jouer là, mais après, on les jouera, on ira chez eux, ils seront, et il faudra s'y frotter si on veut quand même revoir le numéro de l'affiche. Et exactement. On les recroisera quelque part. Allez, nous, on a hâte de revoir Villeneuve 13 à sa place dans la Bastide villeneuvoise. Bon, et puis on veut ce soir que le coq soit allumé. Du côté de la brasserie Le Glacier à Villeneuve, puisque c'est une coutume à toutes les victoires des Léopards. Le coq s'allume sur le boulevard Georges Legge à Villeneuve. Donc on espère pour le moment que... Alors, on n'est pas à 10 mètres. Messieurs, dames, c'est parti. Allez, on va serrer les rangs du côté villeneuvois. Premier tenu. Et la pluie qui revient. Attention, parce que là, ça va... Décalé sur le côté droit en défense. On est quand même bien placé sur les extérieurs parce qu'on a été pris une fois, je te dis, sur, je pense, plus. Ouais, attention. Non, on est en place, là, il n'y a pas allez, de on est en place, pour toi, tu n'as pas... Ouais, et voilà. Attention, essai. La libération. Et là, ça chauffe un peu. Ça s'explique un petit peu de l'autre côté. Essai pour les Ignants. Alors, on va essayer de voir... Qui a marqué? Ça serait brillant. Non, Valentin Ferret, le numéro 4, essai pour les Ignants. On est à la 71e minute. Bon, les Ignants qui reviennent dans la course. Ouais. Sébastien. Ben oui, une belle libération. On était 3 sur le plaquage. Quand tu es à 3, tu n'as pas le droit de laisser le ballon partir, surtout à cette distance-là. Libération. Plus personne sur les extérieurs. Exactement. Bon, l'avantage, c'est qu'elle est en coin. On va espérer que... Eh bien, on va espérer... un petit échec, hein. Un petit... je voyais où est-ce que tu allais en venir. Hein, C'est pas bien. C'est... Tu vois, j'ai des petites difficultés à rester quand même neutre. Mais bon, allez, on est sur la chaîne YouTube des Léopards d'Aquitaine. Bon, hein. Voilà, il la rate. Allez. Allez, raté. On reste quand même 18-10. Ouais, ouais. Il n'y a pas le feu, faut pas paniquer. 18-10, 72e minute. Maintenant. Allez, il faut que les Villeneuvois repartent vers l'avant. Hein. On a ces quelques minutes qui sont normales, hein, dans un match. Sébastien, on a des temps forts, des temps faibles. Là, on était plutôt sur un temps faible pour les Léopards. Ça va revenir. Voilà, c'est là la qualité des joueurs. Voilà. Donc ça, les fautes qui peut arriver à tout le monde, à n'importe quel joueur. Hein, on ne va pas incriminer
je disais, le joueur de Lézignan sur cette faute de main. Très important sur, quand tu marques un essai, la série où tu récupères exactement. Le ballon, il faut absolument faire cette deuxième transformation. Là, Lézignan repart sous les poteaux. Voilà, ouais. Allez, il va tenter de trouver une touche. La même chose. Voilà. Allez, ouais, Mika Constantine, qui repart, qui rentre. On a une bonne série à 20 mètres. On a 20 mètres de la ligne. Exactement. Donc, une bonne série. Vladika, le Serbe. Le Serbe, mais qui est quand même bien Villeneuve maintenant. Oui, beaucoup plus, oui. Allez, on repart avec. Il a l'air fatigué quand même. Hein. Allez. Ou c'est une fakir. Ça pousse. Allez, là, on va avoir une belle occasion, là. On va voir. Là, va il faudrait dans le dos. Concrétiser. Wow, Lazarusa. Tabou. Mister Tabou. Bon, mais là, pour moi, c'est plié. Bravo. On va reste encore un peu avec nous quand même, Sébastien. Ne pars pas tout de suite. Essai pour Lazarusa, pardon, j'en perds mes mots. 74e minute. Essai pour Villeneuve. 22 à 10 avec une transformation aussi facile que la précédente pour Thomas Lasven qui devrait pouvoir nous emmener. Alors pour Thomas ou peut-être pour Mourad ou c'est pour Thomas? Non, Thomas, il est allé chercher le ballon. Je ne le voyais pas là sur la piste d'athlétisme. On est à 22-10. Lazarusa, quand il part comme ça lancé, c'est quand même compliqué de l'arrêter. Hein. Moi j'ai quelques vidéos de lui là, je sais pas si tu les avais vues sur les réseaux sociaux pendant le confinement, ça là. Fait peur hein. Bon, alors pour ceux qui suivent peut-être moins Villeneuve et le 13, son surnom c'est quand même le chiropracteur hein. Ça veut tout dire, et moi je lui ai posé la question pourquoi quand même à Lazarusa, il m'a dit qu'il remettait les os en place. Voilà, donc c'est quand même compliqué quoi. Allez, un petit score. On va attendre que Thomas Lasven, bien sûr, transforme cette pénalité en face des poteaux de Lézignan. C'est fait. C'est facile. 24-10. 24-10. 75 minutes. Ouais. 5 minutes de la fin. Je sens que tu es tranquille. Oh là. Sébastien, je sens qu'on est en roue libre maintenant. Non. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même derrière, c'est de exactement. Continuer. Qu'est-ce qu'on va trouver pour ces 5 dernières minutes du côté Villeneuvois, Sébastien? Est-ce qu'on va garder jusqu'au 5e tenu, comme tu le disais? Ah, c'est toujours obligatoire. Ça fait partie, c'est la base du rugby à 13. Hein. Compléter les chaînes, avancer, jouer vite. Et est-ce qu'au niveau Lézignanais, qu'est-ce qu'il faudrait trouver là pour pouvoir revenir peut-être au score le plus rapidement possible et mettre un peu de suspense, un peu de stress du côté Villeneuve. Là, il va falloir essayer de plaquer à un, de faire un arrachage. Tu vois, ils sont bien agressifs, un peu trop même. Du exactement. Coup, là, voilà, il y a quelques. Oh, allez, bah, c'est gentillet. Ça reste tranquille. Donc là, je pense que. Ah, on a un blessé. Si tu me permets. Bien sûr. Je voudrais juste, par les temps qui courent, là, juste signaler quelque chose qui s'est mis en place par. Ouais, par la mairie de Villeneuve pour les commerçants, parce qu'on est solidaire avec les commerçants, bien sûr, de partout. Et l'Union des commerçants et artisans de Villeneuve, clique en villeneuvois.com, ce qui permet peut-être de juste. Exactement. De les laisser un peu dans l'activité. Et on salue d'ailleurs tous nos partenaires. Les partenaires des Léopards d'Aquitaine, on a des commerçants chez nos partenaires, on a des industriels qui bossent peut-être un petit peu moins et on les salue et on leur souhaite bien sûr bon courage et on essaiera dans les meilleures conditions possibles de pouvoir les aider. Et ça, c'est une solution. Clique en villeneuvois.com pour pouvoir retrouver tous les artisans et les commerçants ici à Villeneuve, mais également hein, dans tout le grand Villeneuvois. Allez, on revient au jeu. Villeneuve, Lézignan, 24-10, 4 minutes. De jeu. Restez bien avec nous à la fin de ce direct, puisqu'on va essayer d'avoir l'un des présidents, on va essayer d'avoir Patrick Maury avec nous, un des coprésidents des Léopards d'Aquitaine, qui va venir nous rencontrer et je lui poserai 2-3 questions. Attention, oh là 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 là, oui, drop. Mais on reprend le ballon. Thomas Lasven qui a tenté le drop. Normalement, on repart à zéro. Oui, exactement. Non, ça, non. Est-ce qu'on repart à zéro? Non. Redrop. Allez, redrop. Et celui-là,
Il passe, mes amis. Bravo. Mourad, Kriwash, drop un point. Ça emmène les Villeneuvois 25 à 10. Pour les Villeneuvois. Et restez bien avec nous, je vous le dis, l'un des co-présidents des Léopards d'Aquitaine va venir dans quelques minutes à la fin de cette rencontre pour nous donner son point de vue hein, sur la rencontre des hommes de Fabien Devecchi. 25 à 10, 78e minute, un score il y a quelques minutes, hein, on doit être à la 34e maintenant. C'est Albi qui est mené sur son terrain par Avignon, 12 à 6. Bon, ça est encore très très serré, on peut encore rien dire sur le score final à 30e minute. Mais bon, les Avignonnais qui tiennent bien la route. Hein, il y a un match, le dernier Avignon s'était bien repris, comparé à la saison d'il y a 2 ans. Donc il faudra compter sur eux cette année. Allez, on finit cette rencontre. Là, ça y est, la pluie s'est momentanément arrêtée un petit peu sur le stade Max Rouzier. 25 à 10, on peut dire que là, c'est plié. Ouais, normalement, hein, Sébastien sauf, allez, une minute sauf 30, rien du tout, sauf rien du tout, hein, 78e minute, on est pas mal, hein. Ouais. On est bien. On va assister à la première victoire des Léopards. Exactement, première victoire avec des joueurs qui sont pas là, on l'a dit tout à l'heure, hein, Stan Robin, des joueurs clés. Qui vont compter des postes clés, pour le reste de la saison avec de belles rentrées comme Joe Van Berg. Félicitations aux petits jeunes, hein. Attention, ouais, attention, parce que ça va vite. Hop, voilà, allez. On ne s'embête pas non plus, hein, à la 79e, on va pas se... On envoie en touche. Ouais. Ça va être un retour pour les Villeneuvois. Oui, des Lézignans qui cherchent à marquer des points pour oui, le bonus défensif. Oui, exactement. Ce qui va être important pour eux, là, ils ne peuvent pas se prétendre à autre chose que le bonus. Et nous, ce qui est important pour nous, parce que je pense qu'on se retrouvera avec eux en haut du tableau, c'est surtout de ne pas leur donner ce point. Allez, on va serrer. On va serrer jusqu'au bout. Il reste encore 40 secondes au chrono du stade Max Rouzier. Pour le moment, Villeneuve mène 25 à 10 face à Lézignan avec une attaque. Des Lézignanais, poussé en touche, récupération bien sûr. Du ballon par l'équipe villeneuvoise, on est heureux de cette première victoire. Sébastien, là, franchement, il y a rien de mieux pour lancer une saison pour tout le monde, hein, pour le staff, pour l'équipe dirigeante, pour les supporters. Ça confirme. Ah, ça y est. Voilà. 25 à 10 pour les Villeneuvois. Bravo, félicitations aux hommes de Fabien Devecchi sous une pluie battante, compliquée là-dessus, mais on était très très heureux. On va accueillir. Merci Sébastien tout d'abord. J'espère qu'il y aura d'autres expériences. On verra. De speakers ensemble. Merci à toi, Sébastien Gauff, qui m'a accompagné pendant 80 minutes. Et cette belle victoire. Donc on ne sera pas les chats noirs, Sébastien. Non, c'est bon. On pourra revenir. Merci Sébastien. On va parler dans quelques minutes avec Patrick Maury. Moi, je vais remercier, avant de recevoir l'un des coprésidents des Léopards d'Aquitaine, Patrick Maury, qui prend le micro et le casque de Sébastien. Je vais remercier Thierry Lacoste, qui était aux caméras aujourd'hui. Les deux caméras, gros plan et zoom. Grand angle, pardon, et zoom pour les caméras, pour cette vision du match. Également à la réalisation, Nicolas Dumoulin, qui était avec moi à mes côtés. Bravo, félicitations à tous, Sébastien Goffre, pour les commentaires. Massou Électronique et Patrice et Philippe Rongier pour toute la partie technique. Raphaël Ousti, pour ses 27 ans, qui a passé son anniversaire avec nous dans la cabine du stade Max Rosier. Félicitations et bon anniversaire. Et on reçoit un président qui est content, qui est heureux, Patrick Maury. Bonsoir Patrick. Le président est super content parce qu'on a eu un peu peur. Et puis en fait, match à huis clos, bon, ça c'est toujours un peu difficile parce que c'est une innovation pour la fédération et puis pour nous parce que les supporters aujourd'hui, on sait qu'il y a eu, je pense, 700 ou 800 personnes qui étaient sur le. Exactement. Et bravo à vous tous pour avoir mis en place cette. Eh bien, nous, on a été très heureux, Patrick, de commenter ce match avec Sébastien Gauffre, d'avoir toute cette. Parce que c'est une grande famille, les Léopards d'Aquitaine. C'est ça. Et cette famille, ben, elle est en train de se confirmer. Elle s'agrandit avec ces jeunes qui montent fort, là, avec notamment.
Les expériences à ce niveau-là, notamment de Jovan Berg et des jeunes qui sont dans le staff et dans l'équipe. Donc, on va très content de ce match, mais avec effectivement une des palpitations au niveau du cœur. Voilà, c'était quoi? Ouais, parce que je pense qu'il va falloir redescendre pour Patrick Maury, Jean-Pierre Sagnet, parce que c'est vrai que c'était un match qui a été qui s'est résolu dans les dernières minutes. Hein. Il y a eu les Ignants s'accrocher. Ils sont venus avec une équipe très jeune également, hein, les Ignants, avec des joueurs cadres qui n'ont pas pu faire le déplacement, mais également Villeneuve. Il manquait pas mal de joueurs avec Stan Robin, avec Mac Mellout, avec Pita Godinet. On en a parlé avec Sébastien, qui arrivera au mois de janvier, qui reviendra avec sa femme et son nouveau-né sur Villeneuve-sur-Lot. Voilà. Et puis le nouveau. Et James qui vient d'arriver, qu'on a eu à la mi-temps de la rencontre pour nous donner ses premières impressions de Villeneuve-sur-Lot et de sa nouvelle équipe. Prochain match, ce sera Albi. Le prochain match, c'est contre Avignon, Avignon, pas Albi. Avignon, dans 15 jours. Tout à fait raison. Ça sera retransmis sur Via. Via Occitania, exactement. Pour que le monde du rugby puisse regarder ce match, puisque, effectivement, on espère bien sûr que les cas de Covid seront limités. Bon, on fait tout pour sécuriser au maximum les joueurs, et bien sûr, tout le monde essaye, dans sa vie perso, d'être sérieux. Mais voilà, donc aujourd'hui, gros match en défense, et c'est vrai que nos joueurs ont fait une belle performance avec une équipe lésignante quand même de très très bon niveau aussi. Donc, mais sur un terrain compliqué, et celui qui a joué au rugby sait que sur des terrains comme ça, faire des envolées, c'est compliqué. Allez, une belle photo des joueurs de Villeneuve-13 sur le terrain de Stade Max Rouzier. Moi, il va être temps que j'aille retourner tranquillement lâcher le micro. Merci beaucoup, Patrick. Bravo en tout cas pour cette initiative. Écoute, merci à vous et merci au club. Toute l'équipe de technique.